Bien, bonsoir, chers collègues. Je pense que nous sommes à l'heure 18h31. Alors, je remercie les services qui ont organisé nos débats ce soir. Et on va donc commencer par l'appel. Monsieur Olivier Gacquer. Présent. Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson. Présent. Madame Ginette Loiseau. Présent. Monsieur Hakim Elazouzi. Présent. Monsieur Bertrand Barré. Présent. Madame Annie Boulard. Présent. Monsieur Jean-Pascal Scalone. Madame Maryse Berthoux. Présent. Monsieur Patrick Perrin. Présent. Madame Béatrice Berroyer. Présent. Monsieur Francis Cordonnier. Présent. Madame Jacqueline Humbert. Madame Marie-Jeanne Brevard Petitpas, Madame Josette Phyllis, Madame Martine Descamps, Monsieur Zoran Zetovic, Monsieur Hervé Soled, Madame Catherine Arfaux, Madame Mélinda Chochois, Monsieur Frédéric Dams, absent, excusez, Madame Ingrid Beignet, Madame Sonia Soler, Madame Hélène Sam. Excusez. Monsieur Anthony Coé. Monsieur Christophe Doual. Monsieur Pierre Quarnic. Présent. Monsieur Corentin Brige. Présent. Madame Sabine Leroy. Présent. Monsieur Fernand de Kayser. Excusez. Donne pouvoir à Monsieur Olivier Gacquer. Madame Catherine Gautran. Présent. Monsieur Stéphane Saint-André. Absent. Donne pouvoir à Madame Capelle. Madame Virginie Capel, Madame Nathalie Delbar, Monsieur Alexandre Mazel, Madame Brigitte L. Monsieur le maire, nous avons quorum. Merci. Devons désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Dans l'ordre que nous avons épousé depuis le début du mandat, il s'agit là à Hervé Soled d'assumer cette tâche ce soir s'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention. C'est bon pour toi? Donc Hervé Soled sera notre secrétaire de séance. Voilà, donc nous devons aborder donc les questions du Conseil avec la partie patrimoine historique en premier lieu. Et donc je vais céder la parole à Maryse Berthoux pour évoquer la 1401. Alors, il s'agit ici de la signature d'une convention de partenariat avec l'Éducation nationale pour le projet des Benjamins de l'Histoire. Ce projet, vous le connaissez tous maintenant, puisqu'il s'agit de la 9e édition. Et nous travaillons donc avec des classes de CM1. Je souhaitais, pour ceux qui l'ont peut-être vu sur les pages Facebook de la ville et autres, vous rappeler le voyage que nous avons fait à Paris, le déplacement que nous avons fait à Paris avec les enfants, avec Madame Humbert notamment, surtout, qui a organisé ce déplacement. Les Benjamins de l'Histoire qui sont à l'école Paul Bert et qui ont pu visiter notamment le musée de la Légion d'honneur et participer au ravivage de la flamme. Ça a été une journée très très intéressante pour les enfants. Et qui sait, je dois dire, nous remercions, je pense que je peux parler au nom de Jacqueline, nous remercions à la fois les enseignants et les parents et les enfants pour la discipline, la bonne humeur et vraiment l'intérêt culturel que les enfants y ont trouvé. C'était très très bien. En l'occurrence ici, donc nous renouvelons l'opération, tout au moins des Benjamins d'Histoire, pas du déplacement. Et l'an prochain, le thème qui sera abordé, ce sera les Benjamins d'Histoire revisitent le passé de Béthune depuis 1888, pardon, excusez-moi. Donc voilà, cette délibération a pour but de valider la reconduction du projet. Il est pris de parole? Oui. Pardon? Non. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, deux mots. Je vous en prie. À poursuivre. C'est deux mots. À poursuivre. Merci, oui. Et surtout merci aux financeurs. Tout à fait, c'est ce que j'allais préciser.
Merci aux financeurs également. Y a-t-il des oppositions, donc des abstentions? Merci d'avoir partagé ce moment. Merci aussi à Jacqueline aussi. Et donc c'est adopté. La 1402, s'il te plaît, Marie. Hommage de la ville à Simone Veil, exposition du mémorial de la Shoah. Donc il s'agit ici en fait d'une exposition Simone Veil, un destin de 1927 à 2017 qui a été proposée par le mémorial de la Shoah et qui a été présentée au public à la fabrique du 27 juin au 3 juillet 2022. Il s'agit de la régularisation du montant de l'exposition, 250 euros. Merci. Y a-t-il les opposants? Oui. Donc, appel. Mais là, par contre, effectivement, j'ai plusieurs points à soulever par rapport à cet événement. Un sujet actuel. Justement, au mois de juillet et juin, des événements se sont passés sur Béthune. Vous l'avez rappelé, hein, par rapport à l'exposition à la fabrique. Avec aussi une succession de projets, notamment le 29 juin en partenariat avec le planning familial, la projection du film, l'événement d'Audrey Divan, que je conseille fortement en fait aux jeunes femmes et aux jeunes hommes et aussi à toute la population de regarder ce film. Un film justement qui est sorti en 2021, mais avec le sujet dans les années 60 où la contraception et l'avortement étaient illégaux. Et on voit le parcours justement de la jeune étudiante par rapport à l'avortement. C'est adapté aussi du livre d'Annie Ernaux que sur l'avortement en fait clandestin à l'époque, parcours d'une jeune étudiante, comme je l'ai rappelé, pour avorter. Rappelons aussi que le 28 septembre, la journée mondiale du droit à l'avortement, il est important de poursuivre la formation et la prévention par rapport à ce sujet. Moi, je vais être claire aussi par rapport aussi à ce sujet. J'espère qu'un jour, ça sera inscrit à la Constitution pour renforcer justement ce droit face à l'avortement. Alors, ce qui était important, je pense, moi, je respecte les hommes et les femmes politiques de divers courants, qui note des lois, qui font des lois dans l'intérêt général. Moi, Simone Veil, je la respecte tout à fait. Et je pense que même à cette époque, en 1974, le combat, et on l'a vu à travers de nombreux reportages, le combat a été dur pour elle. Mais ce que je voulais aussi signaler, c'est que ce qui m'a ennuyée, en fait, c'est la communication qui a été faite, notamment par rapport au film, l'événement où on s'est retrouvé en fait avec une dizaine de personnes au cinéma. Là par contre, je me suis dit qu'il y avait une communication illégale par rapport à d'autres événements qui me semblent beaucoup plus importants, même s'il y a des événements qui induisent aussi l'économie, ça je suis tout à fait d'accord, mais aussi pour que les femmes puissent aussi choisir, fassent leur propre choix. Voilà ce que je voulais dire, en fait. Marie, une réponse? Sincèrement, non, parce que je ne gérons pas la communication, donc je suis absolument incapable de répondre sur les raisons pour lesquelles peut-être y a-t-il eu insuffisamment de communication sur le sujet. Les demandes ont été faites, c'est certain. Je n'ai pas de commentaire particulier. Le partenariat a été fait, c'est le cinéma hein, qui a aussi tendu la main, qui a proposé hein, l'événement. Donc, en tout cas, effectivement, il ne faut jamais baisser la garde. Ça, c'est rendre le son de cette affaire-là, quand même. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc voté à l'unanimité. Je vous remercie. Marise, il y a encore une délibération, la 1403, s'il te plaît. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle versée dans le cadre des Journées du patrimoine à une association qui est le GIC, Groupement d'images contemporaines, pour l'exposition qui a été réalisée au parc Beuvry. Le montant de cette subvention exceptionnelle est de 500 euros. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc voté. Merci. Nous passons au chapitre vie locale. Et donc, j'ai cédé la parole à Béatrice Berroyer maintenant pour trois délibérations, avec la première, la 801, qui concerne donc les bourses
communale, rebaptisée maintenant Madeleine Marot. Vous savez que nous avions bénéficié, la ville a bénéficié donc d'un don. Et d'ailleurs, ce don, c'était une maison qui vient d'être vendue. Donc, je voulais vous en faire donner l'information. Et donc, voilà pourquoi nos bourses communales s'appellent Madeleine Marot, puisque ce don qui va permettre donc, de financer quelques bourses quelques années, méritait qu'on puisse retenir le nom de cette généreuse donatrice qu'on a donc mise à l'honneur lors du conseil du 4 juillet, je crois, de mémoire. Voilà. Béatrice. Merci Monsieur le Maire. Alors, effectivement, c'est comme chaque année le renouvellement des bourses communales pour les enfants des établissements d'enseignement public ou privé dans le second degré et dans l'enseignement supérieur. Le montant est de 110 euros pour un enfant en enseignement second degré et 335 euros pour un élève en enseignement supérieur. Et comme vous l'a dit Monsieur Merci. Le Maire, avec la participation du don de Madame Marot. Merci. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Donc, elles seront versées. La 802. La 802, c'est le renouvellement des subventions aux coopératives scolaires pour l'année scolaire 2022-2023. Le montant est fixé à 2,80 euros par élève fréquentant une école maternelle et 3,15 euros pour un enfant en école élémentaire. Les montants sont identiques à l'année précédente. Une petite question. Oui, madame. Ces allocations, c'est pour monter des projets, etc. Est-ce que vous avez des retours sur les projets qui ont été faits Parce que quelquefois, j'ai lu dans la presse, ça passe quelquefois en budget courant. Donc, est-ce que c'est vraiment des beaux projets qui ont été faits? Oui, il y a eu des projets qui ont été, alors qu'ils sont construits et qui nous sont présentés lors des premiers conseils d'école. D'ailleurs, il y en a encore eu un tout à l'heure. Et le bilan est fait en fin d'année, justement, sur l'utilisation de cet argent pour des projets concrets pour les enfants. Des voyages. Et constructifs avec un rapport de projet scolaire. D'accord. Merci. Pour ces explications, y a-t-il donc des abstentions ou des oppositions? C'est donc voté. Merci beaucoup. Béatrice, la 803, s'il te plaît. La 803, c'est la signature de la convention avec l'association Prévart, donc association de prévention vasculaire Artois, et la demande de subvention, comme tous les ans, à l'ARS. Cette manifestation permet de concrétiser des projets au niveau des écoles et des restaurants scolaires, en l'occurrence sur la lutte anti-gaspille, la découverte des aliments et le forum qui a lieu en fin d'année. Oui, madame Elle, je vous en prie. Donc je vois que c'est les problématiques de sommeil, d'alimentation saine et équilibrée, de lutte contre l'obésité, favoriser une activité physique régulière et les bons gestes en matière d'hygiène et de gaspillage alimentaire à destination des enfants, des Tout parents et des seniors. Donc il y a 42 000 euros qui sont mis sur la table pour qu'on parle aux enfants de la nécessité de bien manger et aussi de faire une activité physique. Le problème, c'est que les rues scolaires n'évoluent pas. Il n'est pas possible la plupart du temps de... Est-ce qu'on augmente la zone où les enfants se sentent en sécurité autour des écoles? Tous les jours aussi, on dépense... on affecte des agents pour faire la circulation, là, pour maîtriser la circulation autour des écoles. Mais tous les jours on recommence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pédagogie par rapport à la circulation. Tous les jours on remet le même budget, la même personne. Tous les jours on constate des voitures qui passent sur la troisième voie parce que cet homme ne peut pas gérer les trois voies. Et donc c'est l'éternel recommencement. Je trouve qu'on devrait être logique, être cohérent, aller plus vite, aller plus loin, aller plus fort dans l'accès... C'est quoi le lien avec la délibération? C'est ce que j'allais dire à qui... Oui, on met 42 000 euros, il y a des gens qui vont passer leur temps à expliquer aux enfants qu'ils doivent marcher,
Et puis, en sortant de l'école, on ne leur a pas préparé. C'est notre rôle, ici, dans les élus, de préparer la sortie des écoles et pas seulement tous les matins empêcher les automobilistes de passer au passage piéton. Et alors, donc, quand il n'y a pas de bonhomme, quand il n'y a pas quelqu'un pour empêcher ces automobilistes de passer au passage piéton, c'est-à-dire que le passage piéton suivant, c'est quoi dans la tête de l'automobiliste ? Pourquoi le passage piéton suivant, il n'y a pas de y a personne qui fait ce qu'il veut ? Excusez-moi, oui. Vous avez une question ? Oui. Parce que, alors, j'aimerais bien. Ma question, c'est est-ce qu'on va mettre en même temps une politique cohérente pour assurer la sécurité de nos enfants ? Alors, je reviens à Libération. La Libération, c'est un projet d'éducation populaire que nous menons dans la collectivité depuis, alors je vais dire peut-être une bêtise, mais je pense 17 ans peut-être. Et qui a vocation, donc vous l'avez dit, c'est pas que marcher, hein, c'est très réducteur quand même comme dispositif. Et donc l'objectif, c'est de lutter contre l'obésité, notamment chez les adolescents. Et donc on s'est rendu compte assez qu'au démarrage de l'action, nous étions à 5 points en-dessus de la moyenne nationale et qu'aujourd'hui nous étions revenus de la moyenne nationale par toute une série d'actions, notamment sur l'éducation alimentaire et également sur l'incitation... ou en tout cas la lutte contre la sédentarité, et effectivement tout un nombre d'actions dans l'école et en dehors de l'école. Pour le reste, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais là, en l'occurrence, il s'agit de se positionner sur cette action-là en particulier, qui est un fil rouge tout au long, finalement, de l'année scolaire, j'allais dire pendant le temps scolaire, et donc soutenu par l'Éducation nationale, et également le midi, puisque nous faisons aussi l'éducation alimentaire le midi, puisque tu parlais de l'action anti-gaspillage, et on pourrait aller aussi le soir sur... notamment le fruit à la récréation ou autre. Et d'ailleurs, demain, il y a une action dans une école de Béthune sur justement la découverte des légumes au niveau des céréales. Donc, c'est une convention qui gère un petit peu beaucoup de choses, pas seulement un sujet. Non, je ne vais pas nier qu'il y avait l'aspect alimentaire, il y a aussi l'aspect activité physique régulière. C'est pour ça qu'il y a du sport à l'école, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une demi-heure d'activité physique tous les jours qui vient d'être instaurée depuis cette rentrée, c'est pour ça qu'on a aussi une politique avec le pas jeune pour pouvoir permettre aux jeunes d'aller dans les associations sportives, c'est pour ça, on le verra tout à l'heure, qu'on passe une délibération aussi avec le futsal pour pouvoir accompagner à la patine sportive, c'est pour ça aussi qu'on met en place l'UFOLEP le soir dans les quartiers pour pouvoir pratiquer à pratique libre du sport, c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir aussi à déployer des nouvelles actions en la faveur, la pratique du sport c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est quelque chose qu'on place aussi au cœur des politiques publiques qu'on mène. Et donc la politique d'accès au sport d'un côté, plus la politique du bien manger de l'autre, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que M. le maire disait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend des jeunes et puis on les accompagne aussi sur le chemin. Et ce serait beaucoup plus cohérent si les jeunes de Béthune pouvaient se déplacer en sécurité dans la rue. Donc soyez cohérents jusqu'au bout. Je ne dis pas que... C'est nous le faisons, madame. Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, puisque nous vous avez dit qu'on mettait des gens dans la rue, donc voyez, on fait. Merci de l'avoir rappelé. Sur la 8.03, bon, je pense qu'on a débattu. Oui, Madame Capel, pardon. Mais techniquement, en fait, par rapport au montant de la subvention par rapport à l'ARS, il va être de 42 000 euros la demande de projet. Donc global, ouais. L'opération il n'y a pas précisé dans le montant global. Le montant est supérieur à 42 000 euros. 42 000 euros, c'est ce que nous, mairie, nous mettons... pour que justement, voilà, parce que sinon on est obligé de limiter notre action aux quartiers prioritaires et on les a justement développés dans toutes les écoles. Voilà. Alors, pardon, c'est pas précisé, on vérifiera le chiffre. Les actions, puisqu'on est sur plusieurs lignes, pour moi c'est plus de 100 000 euros. Oui, et on y a rattaché une action sportive, justement, et je crois qu'on est arrivé à plus de 100 000. Dans la valorisation, c'était la question. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on peut dire que ça correspond à 40%, en fait, la demande c'est 40%. Ouais. Et on est content que l'ARS nous subventionne encore, parce qu'au départ, ça, c'est comme tout dispositif, la pompe a été amorcée sur le plan de l'accompagnement, et puis après, on a vu les crédits fonds, mais on a maintenu, nous, c'est une compétence, c'est une action facultative en fait. Hein. Nous pourrions ne pas le faire, comme dans beaucoup d'autres lieux. Sur la 8.03, donc, y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie, c'est donc voté. Je vais céder la parole à Patrick Perrin, justement, pour nous parler, à travers la Libération 8.04, du pass jeune.
Oui, monsieur le maire. Donc la 804, c'est les subventions de fonctionnement et une subvention exceptionnelle, éducation jeunesse, et plus particulièrement ici le pass jeune, cette carte pass jeune qui donne droit aux jeunes de 3 à 25 ans de 20 euros, qui leur permet d'avoir une réduction dans les associations et aussi un accès aux médiathèques. Donc vous avez en annexe les remboursements qui ont été faits avec les cartes de 20 euros. Bon, tout n'est pas là puisque on reçoit deux fois par an les demandes de remboursement. Oui, madame Ella. Oui, c'est une proposition que j'avais envie de faire parce que finalement on bénéficie du pass jeune qu'une seule fois. Alors ce sont lors d'un conseil précédent, Virginie Capel avait souligné qu'il y avait 6 000 jeunes à Béthune et seulement 2 000 d'entre eux ont bénéficié du pass jeune. Alors, pour connaître un petit peu comment ça fonctionne, je sais qu'il y a des enfants qui vont aller à de multiples activités, les mêmes, et il y en a 4 000 qui vont rester sur le carreau. C'est quand même dommage qu'avec tout ce qui est proposé, il y en ait 4 000 qui ne profitent pas du pass jeune. Enfin, c'était les chiffres qu'on avait eus lors des années précédentes. Peut-être que ça va mieux, etc. Mais, et ensuite, ce serait intéressant aussi de proposer un pass jeune pour une deuxième inscription, parce que faire du sport, ça n'empêche pas de faire... ou bien faire du foot, ça n'empêche pas de faire du handball, etc. Donc je proposais de faire le pass jeune moins favorable peut-être pour une deuxième inscription ou une énième inscription. Et aussi, si on voulait, ça dépend si c'est un désir, si on voulait corriger le fait qu'il y ait quand même 4000 jeunes qui ne fassent aucune activité, est-ce que, par exemple, ceux qui vont aux accueils de jour le mercredi, etc., on les emmène au sport, on leur permet de pratiquer une activité sportive? Et est-ce que le problème aussi, c'est pas... je m'inscris au sport dans la mesure où j'ai quelqu'un qui peut me conduire à l'activité sportive, c'est-à-dire que j'ai la plupart du temps une maman qui va prendre son mercredi et qui a une voiture. Parce que c'est le cirque aussi autour des activités sportives, des voitures qui se garent. Voilà, c'est pas vrai? J'ai même envie de dire qu'en parlant de cirque, c'est très bestial. Mais... Non mais Madame Elf, en fait, à chaque fois c'est la même rengaine. Ça... Oui, alors vous êtes exaspérée. Oui, à chaque fois c'est la même chose. Parce que rien ne bouge. Allons. Moi aussi. Allons, rien ne bouge. Moi aussi. À chaque fois vous êtes sur le détail de la virgule. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Il est impossible de traverser la ville quand on est un enfant. Devant le stade, les passages piétons ne permettent pas, ne ralentissent pas. C'est pas à 30 à l'heure. Les voitures vont pas lentement. On peut pas aller de l'école de musique au stade de façon sécuritaire quand on est un jeune enfant. Alors, je vais revenir à Libération 804 sur ce que j'ai tenté de comprendre de votre proposition. Puisqu'on est parti d'un point A, mais on s'est égaré. Donc, on ne s'est pas égaré, on continue le fil. Pardon. Je ne vous ai pas coupé, madame, donc s'il vous plaît. J'essaie juste d'exprimer le fait que le pas jeune, il n'y a pas 4000 personnes sur le carreau, comme vous dites. C'est vraiment c'est un mauvais geste contre même les services de la ville qui vont notamment avec leurs petits véhicules en proximité. Alors, ils ne sont pas électricités, les véhicules. Mais ils vont en proximité là où il y a des jeunes pour essayer d'aller les chercher. Je rappelle que le pass jeune n'est pas une obligation, c'est une politique facultative généreuse qui est apportée par la commune sans contrepartie. Voilà. Donc c'est une forme de redistribution. Sur la proposition donc, qui est faite, c'est effectivement de dire aux gens de venir s'inscrire, de venir chercher la carte gratuitement. Je crois qu'on fait tout ce qu'il faut pour donner la bonne publicité partout, y compris à travers des actions qu'on appelle de prescription de recommandation, parce que nous travaillons avec la CAF, avec des centres sociaux qui peuvent effectivement, qui connaissent le dispositif et qui peuvent le proposer également. Donc l'enjeu pour nous n'est pas d'afficher une politique publique et de ne pas l'utiliser. Donc on ne va pas considérer qu'il y ait 4 000 personnes sur le carreau, puisque, encore une fois, on en fait grande publicité à grand bruit. Donc aujourd'hui, non, attendez, ce qui serait dramatique, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, des jeunes qui ne peuvent pas faire de sport, parce qu'il y aurait des problèmes d'argent notamment. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on pratique 42 disciplines, qu'on a eu plus de 7 000 licenciés, qu'on a même des problématiques de créneaux aujourd'hui.
dans les salles, dans les équipements. Donc on est très heureux de cette situation-là. Enfin, sauf à dire que si demain commence à avoir des clubs qui refusent les activités ou qui refusent donc, d'accueillir de nouveaux adhérents parce qu'ils n'ont plus la place pour faire leurs activités, plus précisément, c'est ennuyant. Donc nous, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ce sujet, on ne cherche pas à faire du chiffre. Il n'y a pas 4000 personnes sur le carreau, il y a des gens qui ne vont pas chercher... Mais non, il y a des gens qui ne vont pas chercher la carte. Donc tout le travail qu'on doit faire, c'est vérifier si on a ou pas une activité, mais elle peut être simplement déjà à l'école, elle peut se faire dans le cas de l'UFOLEP, elle fait dans différents cas aujourd'hui, et pas forcément là. Je rappelle également que 3 à 25 ans, c'est ça la carte, c'est ça la cible donc, que vous avez rappelée. À 24 ans, il y a des gens qui sont étudiants, qui sont aujourd'hui peut-être inscrits à un club, ils travaillent, ils n'ont peut-être pas besoin d'aller chercher la carte. Et qui donc la laisse pour d'autres aussi. Donc faut pas, je pense, tirer trop de conclusions hâtives. Aujourd'hui, moi je le dis et publiquement, si vous avez connaissance d'une famille ou d'un jeune qui ne fait pas de sport pour raison d'argent, vous nous le dites, ça va vite être réglé. Et je remercie d'ailleurs toutes les associations, et pas que sportives, puisque je rappelle qu'on peut aussi aller dans des associations d'animation culturelle. Souvent les présidents, quand les gens ne savent pas payer la cotisation, ben, ils ne réclament rien, ou alors ils nous le disent, et puis on donne une petite subvention pour ne pas gêner les gens. Donc très franchement, vous savez, non, on ne peut pas vous laisser dire qu'il y a 4000 personnes qui sont sur le carreau. Je donc, ne peux pas. Voilà, c'est aujourd'hui sur le pas jeune, j'ai entendu votre sujet, donc il n'y a pas 100% des cartes distribuées, non. On n'a pas le droit qu'à une fois, c'est chaque année. Par contre, la même année, avoir deux ou trois fois la même carte, non. Et à un moment donné, il faut aussi avoir une logique. Vous allez nous dire qu'il y a une rupture d'égalité ou... parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent faire deux sports et d'autres qu'un seul, enfin, où est-ce qu'on met la limite après à ce moment-là? Donc nous, on a toujours considéré qu'il fallait enrichir cette carte en tant que telle, y compris d'un volet culturel, c'était l'accès gratuit à la médiathèque, l'accès gratuit à la médiathèque pour le jeune ou la jeune concernée et sa famille. Et sa famille. J'avais cet avantage-là, n'existe plus, puisque depuis, là, ici, au mois de septembre, les médiathèques de la commune sont accessibles à tous les habitants du territoire et gratuitement. Voilà. Mais c'est pour vous démontrer qu'on essaie de faire évoluer nos petits publics et qu'on n'est pas là pour chiffrer en tant que tel. Donc voilà. Donc, si vous avez connaissance de gens qui ont des difficultés pour avoir accès à un sport ou une activité, vous nous le dites et on sera un plaisir d'étudier et de regarder comment régler les problèmes. Je ne voudrais pas seulement parler. En fait, c'est symbolique l'argent. Mais je vous ai parlé beaucoup de la disponibilité des parents, de la capacité à traverser la ville pour... Non mais attendez, on va pas réouvrir un débat qui vous arrange. Moi, je vous parle, s'il vous plaît, de la 804. Moi, ce que bon, les parents gèrent les relations avec les enfants. Il y a aussi, excusez-moi, la liberté aussi des gens de faire ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Donc nous, on doit s'assurer qu'ils aient les codes, les grilles de lecture, qu'ils aient connaissance des dispositifs pour qu'effectivement, ils puissent s'émanciper et grandir. Et vous avez raison de dire que parfois, il y a des parents qu'il faut qu'on achète par la main ou qu'on s'adresse directement à leurs enfants pour pouvoir leur donner la chance de se construire. Oui, mais nous n'avons pas la prétention de nous substituer aux parents ici ou de dire ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent se déplacer, si vous nous permettez, en tout cas. Voilà. Donc, oui, juste pour poursuivre en fait l'échange, un constat peut être noté en fait, et j'apporte une attention particulière par rapport à ça, c'est qu'on remarque quand on va à Béthune et même ailleurs, un isolement quand même de la population. Alors, il y a eu l'effet Covid, mais je trouve qu'il est, il se renforce en fait aujourd'hui. Et je pense qu'il faut, enfin, c'est apporter une attention particulière par rapport à ça, par rapport au aller vers, en fait. Je pense que c'est pas négligeable. Et moi, ça, j'ai une inquiétude par rapport à ça, en fait, aujourd'hui. La situation, elle est ce qu'elle est. Effectivement, on ne fait que ça, d'aller vers. Et nous avons, d'ailleurs, une politique peut-être contracyclique, puisque quand tout le monde parle de moi-je, on essaye de faire du nous. Et je note que, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais toutes les festivités, les activités estivales, je ne parle pas que des grands événements, je parle également des activités de rencontres et de cohésion sociale dans les quartiers, ont toutes bien fonctionné. Et je l'ai déjà dit, on les remerciera publiquement, mais moi je remercie toutes les associations qui se sont engagées, aux côtés de la ville, évidemment. Et on remercie les financeurs, également la région qui a pu aider aussi sur nos quartiers d'été. Donc oui, il y a un risque d'élitement de leurs relations. C'est vrai, mais en même temps, je ne sais pas dire ce mot-là, il est toujours un peu connoté, mais
ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les gens ont apprécié sortir, apprécient rencontrer du monde, et il y a quand même cette envie quand même de se côtoyer. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant des associations sportives, mais pas que, au forum des associations, j'ai été marqué par le nombre d'abord important de gens qui sont venus se renseigner sur l'offre associative de la commune, qui, donc, l'offre des bénévoles avant tout, comme je le dis tout à l'heure, le nombre de gens qui se sont inscrits, et donc les appels qu'on a eu d'ailleurs des présidents ou présidentes ou des bénévoles des associations disant bah, on va manquer de bras, on va manquer de bénévoles, on va manquer de locaux, etc. Et un peu partout, on a vu les effectifs, si je puis le dire, alors pour le coup, c'est un peu comme ça qu'on s'exprime, mais remonter fortement. Et c'est vrai que ça a été assez marquant. Donc moi, j'y vois quand même une petite note positive. Je dirais que la tentation, bah oui, quand on ne voit pas clair, quand tout est flou et qu'on s'inquiète sur entre la fin du monde, la fin du mois et tout ce qui nous arrive, il y a des gens qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Surtout quand on écoute parfois certains médias aussi, ou qu'on écoute la rumeur public et populaire, c'est l'anxiété permanente. On a peur de tout. On a peur de l'autre, on a peur de l'autre. Et je crois que la panique n'est jamais bonne conseillère. Et notre rôle, justement, à nous, c'est d'acter les constats, humblement, et pas forcément d'épouser ces constats, mais d'essayer d'apporter des réponses qu'on estime justes. Et la réponse juste, aujourd'hui, c'est de rester dans le collectif et dans l'humain. Voilà. Donc, nous avons cette bienveillance et cette attention. Ça a été d'abord au cœur de toutes nos politiques publiques en termes de solidarité. Et je l'exprime tout à l'heure d'ailleurs en disant que rien qu'avec le point d'information jeunesse, eh bien c'est le principe d'être allé dans les quartiers avec ce petit véhicule pour aller justement à la rencontre des gens en tant que tels. Et si on parle de la jeunesse encore une fois, vous avez vu que cet été, nous avons, ça y est, enfin développé de nouvelles actions éducatives et partenariales avec le club de prévention par exemple, dont la mission est d'aller au plus proche des jeunes, parfois décrochés ou décrocheurs, qui ne vont pas vers les structures existantes ou vers les clubs existants et qui, pour nous, ont autant d'importance et vers lesquels on se tourne pour s'intéresser à leur devenir et surtout à leur situation. Donc, on essaye de pallier à cela et surtout de ne pas lâcher. Parce que le jour où on lâchera, c'est là où on perdra finalement la main sur une commune où les gens se connaissent, où ça reste comme globalement à Béthune un gros village. Et ce n'est pas chose aisée parce qu'en moins de 5 ans, il y a près de 1 ménage sur 2 qui a changé à Béthune. 43%, c'est ce qu'on regardait dans les chiffres. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il y a un ménage sur deux, pratiquement, qui a moins de 5 ans d'ancienneté à Béthune. Il ne connaît pas bien forcément l'état d'esprit de la ville, il ne connaît pas forcément bien son histoire. Il vient avec sa culture, avec sa trajectoire, son expérience. Mais comment on crée l'amalgame pour qu'il soit bien accueilli et en même temps, bah, qu'il puisse aussi nous aider à perpétuer nos traditions. Notamment, on parlait des charitables, où le jour, il y a des gens qui me disaient « Mais c'est qui ces messieurs avec leur chapeau noir ?» Bah oui, mais c'est important de le savoir parce que c'est comme le fondement presque de la commune, quoi. Donc voilà, donc c'est, j'entends ce que vous dites, mais très franchement, c'est la base de notre action aujourd'hui. Sans dire qu'on réussit, en tout cas, on reste très, très sensible à cet aspect-là. Voilà. La ville, elle se fait avec les gens et pas sans les gens, quoi. Mais on voit qu'il y a cette tendance au repli, évidemment. Sur la 804, après ces longs débats, les principes de vie, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Non. C'est donc voté à l'unanimité, merci. Je cède la parole à nouveau donc à Maryse Berthoud pour la 805, s'il te plaît. Oui, médiathèque municipale, Élie Wiesel et Jean Buridan, institution d'une procédure de recouvrement par le Trésor public. Vous vous souviendrez que par la délibération 8-15 du Conseil municipal du 4 juillet 2022, nous avons institué, la ville de Béthune a institué la gratuité des adhésions dans les médiathèques de Béthune. À ce propos, je voulais vous donner quelques informations sur les conséquences de cette gratuité. Nous avons effectivement accueilli plus de 150 nouveaux abonnés depuis la date indiquée, avec effectivement une grande satisfaction pour tous de pouvoir accéder à une médiathèque aussi bien fournie que celle de Béthune. Alors, je vous rappelle les modalités de prêt et de retour des documents. L'usager peut emprunter jusqu'à 14 documents tout support pour une durée de 28 jours, une période renouvelable une fois maximum si les documents ne sont pas réservés par un autre usager. Et en cas de retard, dans la restitution des documents au terme des 28 jours, des lettres de rappel sont envoyées. Il convient donc maintenant d'instaurer une procédure de recouvrement par le Trésor public des sommes relatives au support emprunté dans le cas où il n'y a pas de restitution de ces œuvres.
Les conditions sont donc les suivantes. En cas de non-restitution à l'issue du troisième rappel, vous conviendrez que trois rappels, c'est déjà énorme. Hein. Ça demande aussi une action de nos agents non négligeable. En cas de perte ou de détérioration, sur la base forfaitaire suivante, 8 euros pour un manga, 15 euros pour un album et documentaire jeunesse, une BD, une partition, un roman, 20 euros pour un documentaire, un CD, un jeu, un vinyle et 30 euros pour un DVD. Monsieur le maire invite donc le conseil municipal à autoriser l'institution de cette procédure de recouvrement par le Trésor public. Voilà. Sans reprendre ce qu'a dit Maryse, hein, j'avais quelques chiffres aussi que j'avais en tête. Pour votre information, on avait 1774 personnes inscrites 31 décembre 2021, donc dans nos médiathèques. On est là, au mois de fin septembre, nous étions en 1872, donc à peu près 100 personnes de plus. Et au rythme où on a pris les inscriptions à la rentrée, comme l'a indiqué Maryse, les services pensent qu'on sera à un peu plus de 2200 abonnés pour la fin d'année. Alors, l'enjeu, ce n'est pas de faire du chiffre là-dessus non plus, mais quand même de montrer qu'il y a encore aussi un service public de lecture publique important. Les emprunts ont augmenté de 35%, mais on ne fait pas que des emprunts documentaires qu'on voit à la médiathèque aujourd'hui. Ça reste des lieux de vie, essentiellement, principalement, avec notamment des jeunes qui accèdent aussi au numérique. Et on voulait vous dire que même si nous avons intégré un groupe de travail à l'agglomération sur la lecture publique, il y a aussi donc un travail de refonte de l'offre au niveau de nos services et de nos deux médiathèques. Donc on est en train de le travailler aujourd'hui avec les services, avec des subventions à la clé qu'on va essayer de mobiliser. On parlera peut-être tout à l'heure de nos finances. Voilà, donc on a besoin de ces subventions, bien évidemment. Et donc l'année prochaine, en 2023, on essaye de construire un dossier d'évolution donc, de ce service pour qu'au-delà d'avoir un nombre d'abonnés plus important, nous puissions aussi élargir l'animation, les services notamment, de ces médiathèques. Sur la 805, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est voté. Je redonne la parole à Patrick Perrin pour la 806. Donc la 806 concerne les subventions de fonctionnement et de subventions exceptionnelles ici sur la partie sport. Donc il y a deux subventions, une exceptionnelle qui sera allouée à Arto Athlétisme pour les foulées de l'amitié qui aura lieu donc à la fin du mois, le 30 octobre, et une subvention de fonctionnement de 150 euros au team Perco Bétunois. C'est la pêche. C'est un sport, alors, la pêche. Oui, il y a une fédération. Oui, bien sûr. C'est mal défini, les sports. Oui, OK. Ben non, il y a une fédération, hein, Madame L. Il y a une fédération. Et... Donc, les... Alors, ah, ouais. Les échecs, c'est aussi un sport. Hein, que... On est assis, c'est pas... L'automobile aussi est un sport. Comme la politique. Alors, pour la 806, y a-t-il des oppositions ? C'est une allergie à la pêche. C'est très discret, merci. Merci pour les voisins. La 806, donc des oppositions, des abstentions. Je vous remercie, c'est voté. Martine Descamps. On va parler de la santé, ça tombe bien. Donc la 807, effectivement, c'est une demande concernant le domaine de la santé. C'est une subvention pour l'association pour le développement des soins palliatifs Gilbert de Nicel, qui, je vous le rappelle pour précision, les actions reposent essentiellement et notamment sur l'accompagnement des personnes en fin de vie ainsi que leurs proches. Son montant est de 1 000 euros. Merci. Cette délibération est-il d'opposition, des abstentions ? On remerciera bien sûr les bénévoles. Un vrai sujet aussi, ça. Donc, c'est adopté. J'en profite pour faire un petit point d'actualité parce que le week-end, les réseaux sociaux se chargent parfois de relayer des informations plus ou moins erronées. Et donc, peut-être que ce week-end, vous avez vu passer un échange de Jean-Luc Romero qui, en fait, s'étonnait que la ville de Béthune n'ait pas adhéré à l'association des élus locaux contre le sida. Donc je voulais vous dire que, et c'est ce que j'ai répondu,
La ville, bien sûr, est préoccupée par cette cause, comme d'autres causes, mais que nous sommes régulièrement, et je parle sous couvert de Martine, nous sommes régulièrement sollicités pour développer de la prévention dans tous les domaines inimaginables et qui sont réellement tous des problématiques de santé courantes. On est d'ailleurs en pleine période octobre rose, voilà, donc s'il fallait un exemple tout de suite d'illustration, on l'a. Et donc peut-être rappeler qu'on avait concernant été sollicité... cette association, nous avons été effectivement sollicités en début d'année. C'était d'ailleurs en visioconférence parce qu'on était contraints à ne pas faire ça en présentiel. Donc j'ai contacté cette association, donc les élus locaux contre le sida. C'est une association parisienne, effectivement dont le président s'appelle Monsieur Romero, que moi je ne connais pas, mais qui a priori connaît très bien Béthune. Je n'ai pas eu affaire à lui directement, mais il avait un coordinateur. Et on lui avait donc, enfin j'étais chargée et on a passé un moment, une heure ensemble au téléphone, en visio, pour qu'il m'explique en fait ce qu'il attendait de la ville. Et surtout quelles étaient ses références, notamment dans le pays, parce qu'effectivement on revendiquait des actions sur le plan national, ce qui est vraiment très très bien. Et effectivement ces références concernaient des structures beaucoup plus importantes que la nôtre, qu'une ville en tout cas, donc soit des très grosses villes, soit des communautés d'agglomération ou encore des régions. Il n'empêche que bien évidemment ça a été présenté et discuté en bureau municipal, et en fait la dimension, donc demander un soutien, un accompagnement financier bien évidemment, ce qui est logique pour décliner toutes ces actions sur le plan national. Et en fait, le dimensionnement ne nous correspondait pas. Donc, après ce débat en bureau municipal, donc la réponse lui a été donnée, disant qu'on allait relayer, qu'il fallait qu'il relaie plutôt vers la communauté d'agglomération, voire vers la région. En rappelant effectivement que la ville était déjà engagée dans des actions, et c'est le cas, j'ai assisté cette année à plusieurs ateliers, pour lesquels d'ailleurs nous mettons la salle Love Palmeux à disposition, à destination de lycéens, même de collégiens, sur toutes ces actions de sensibilisation, d'information des maladies sexuellement transmissibles, et notamment du sida. Comment ça s'est passé. Monsieur le maire. Oui, merci Martine. Donc on voulait simplement rappeler ici que la commune fait tout ce qu'elle peut en matière de prévention pour relayer et accompagner, mais qu'en aucun cas nous pouvons répondre à l'ensemble des sollicitations. Il est difficile pour nous de choisir une cause plutôt qu'une autre. Et il va falloir qu'à un moment donné aussi on réfléchisse comment on organise, on réorganise la prévention de notre pays. Je rappelle que ce sont des compétences quand même de la région et de l'État en tant que telle. Et surtout qu'on voit aujourd'hui un certain nombre de bénévoles, de médecins, de gens qui s'engagent, qui pourraient amener une forme de délitement aussi de l'action, voire d'épuisement, de saupoudrage. Et donc nous on préfère avoir des approches plus globales comme avec Rebondir Santé ou autre pour pouvoir donc poser l'ensemble. Ce qui n'empêche pas localement de pouvoir accompagner comme nous pouvons. Ça demanderait, si nous étions demain décideurs ou désireux, d'accompagner toutes ces démarches, ou toutes ces actions de prévention, il faudrait recruter 5, 6, peut-être 7 équivalents temps plein, complémentaires, des moyens. On est plutôt aujourd'hui en train de les chercher, de chercher à en faire rentrer, que chercher à les faire sortir. Donc voilà, donc faut qu'on regarde vraiment comment on peut actionner le levier. Et donc, loin de nous, l'idée, d'ailleurs, j'ajoute que beaucoup de communes sollicitées ne répondent pas. Nous avons eu la courtoisie de répondre. Et je peux noter, on a eu quelques échanges sur le réseau avec Jean-Luc Romero, que je connais par ailleurs, courtois, mais voilà, expliquant quand même, parce que quand je vois dans sa réponse qu'il m'explique qu'il était venu sur Béthune ce week-end et qu'il a scruté les réseaux sociaux de rencontres, parlant de sites que je ne connais pas, d'applications, de chemsex, etc., etc., je ne vois pas comment moi je peux finalement faire de la prévention dans ce domaine-là. Ça devient pour nous un peu complexe quand même en termes d'action, quoi. Donc voilà, donc je voulais lever toute incompréhension ou voilà, toute susceptibilité sur le sujet. Oui, Namel. Oui, alors vous qui êtes préoccupé par la santé des Béthunois, etc., est-ce que parmi ce conseil municipal, des personnes s'indignent quand même de la pollution qui va régner à Béthune ce week-end pour le rallye de Béthune ?
Est-ce qu'on se préoccupe de ce qu'on va se prendre dans les bronches? Et puis, est-ce que franchement, ça fait l'unanimité ici qu'il faut, quand Arras refuse le rallye de Béthune, nous les accueillir à bras ouverts parce que on ne se préoccupe pas tellement de la santé des Béthunois? Effectivement, sur ce plan-là. Arras a refusé mais ça, c'était pour les réunions électorales. Par contre, ils s'arquent du fait, ils sont très contents d'avoir 150 000 personnes au Main Square. Et 150 000 personnes, je suis désolé, ça vient en voiture, c'est aussi polluant. Donc, et vous savez qu'un match de foot, je vous l'ai déjà dit, à Lens, 40 000 spectateurs, en empreinte carbone, c'est 3 rallyes. Donc qui pollue le plus? Alors si vous attaquez les voitures, attaquez aussi le football, demandez les matchs à huis clos, et surtout qu'on ne les joue plus non plus en nocturne. Mais le sport a beaucoup de choses à revoir dans tous les domaines, et le rallye automobile comme le football ne font pas défaut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes informé, mais ça se parle aussi là, de la façon dont on se déplace pour aller au foot, et notamment, pas seulement les joueurs, mais les spectateurs. Donc je voudrais savoir si Béthune s'en préoccupe également, puisque on a accepté à bras ouverts le rallye, qui est quand même le symbole de la pollution. En plus, c'est pas moi qui l'ai fait exprès, mais il y a pénurie de carburant. Donc c'est un peu un mépris où bon, ça tombe comme ça. Hein. Madame L, depuis quand le sida est transmis par les... On parlait de la santé, on parlait de la santé, de la préoccupation. Non, on parle de la santé, vraiment à Béthune, on s'en préoccupe. On s'en préoccupe de la santé ici à Béthune. Donc voilà, je rebondissais sur ce sujet. Bien. Je voudrais savoir si ici tout le monde est d'accord et tout le monde est favorable au rallye de Béthune. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais on a déjà eu ce débat puisqu'on a voté une subvention, rappelez-vous quand même. Donc on a déjà eu le débat, mais je sais que. Comme beaucoup de minorités ou de lobbyistes, dès que ça ne va pas dans votre sens, on lobbyiste. Revient... Lobbyiste. Oui, lobbyiste. Oui, c'est comme ça que vous faites, non? C'est du militantisme. C'est sûr. C'est sûr voilà. Que je garde les mêmes idées tout le temps, oui. C'est bien. Donc, On peut raconter ça aussi aux gens qui meurent du cancer parce qu'ils ont respiré ce genre de pollution. Oui. Bon, je pense qu'il faudrait un peu, pas un trop peu de déborder. Respect, madame L. Hein. La radicalité, ouais. Ça n'a jamais été une forme de pragmatisme. Plus radical. Oui, vous l'êtes. Ah oui, je le pense aussi, humblement. Sachez que, de toute façon, aujourd'hui, nous avions un rallye chaque année. Je pense que vous l'avez dit dans votre bouche, vous avez dit, c'est le symbole. Voilà. Comment, aujourd'hui, on conduit les gens à la bataille en France et comment on les séduit pour changer en parlant de symbole. Eh bien, continuons dans les symboles. Pendant ce temps-là, je crois qu'il faut suivre les comportements aujourd'hui à la pompe, si on veut aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, quand le sage, je l'ai dit, hein, montre la lune, le passant regarde le doigt, donc le rallye. Mais je peux aussi vous dire, pour les gens qui ne voient pas le changement qui quand même s'opère au quotidien par obligation ou par conviction de la part des gens, qu'il y a un proverbe africain qui dit toujours qu'on entend le bruit de l'arbre qui tombe, mais on n'entend pas celui de la forêt qui pousse. Regardez bien nos enfants, ils sont en train de faire pousser cette forêt, et je pense que les choses évoluent, y compris dans les fédérations sportives. Vous l'avez dit, ou peut-être ils ne le disent pas suffisamment, mais ils raisonnent et ils réfléchissent à des évolutions, y compris sur des carburants de synthèse, qui ont la particularité de plus polluer et d'avoir ces gaz, ces particules fines. Mais bon, peu importe, je ne vais pas entrer avec vous dans le détail, parce que j'aurais tort, je sais bien, et je ne vais pas vous convaincre. Vous savez, j'ai eu les cirques avec animaux, j'ai ma dose, des gens qui veulent tout nous imposer. Donc aujourd'hui, je vous écoute avec plaisir, mais ce n'est pas l'heure du jour. Il y a eu l'occasion pour en parler, on en reparlera. Et pour le reste, tout ce qui se passe avec l'actualité, c'est dans les mains de l'État en tant que tel. Le préfet, il désira ou pas, il dira si oui ou non, il veut aller jusqu'au bout cette finale. Et il verra ça avec les responsables de la Fédération française des sports automobiles. Donc la 807, on l'avait votée. Je vais donner la parole à Ginette Loiseau, s'il te plaît Ginette, pour la 808. Alors, considérant que la ville de Béthune organise chaque année son traditionnel marché de Noël, il convient d'appliquer le tarif de 310 euros correspondant à l'acquittement des droits de place d'un manège enfantin pendant l'installation sur le marché de Noël, qui se déroulera du 26 novembre au 31 décembre. Est-ce oui. qu'on va tout faire pour que ce marché de Noël... Ah, pardon, excusez-moi. Alors...
Il a demandé la parole, madame L, pour le laisser parler un petit peu depuis tout à l'heure. Il vous écoute patiemment. Est-ce que cette année, on fera en sorte que le marché de Noël soit, la grande place soit piétonne à longueur de temps, que nos bambins ne joueront pas, ne monteront pas sur les manèges au milieu des voitures qui circulent? Je sais que je l'ai déjà demandé, je ne l'ai toujours pas obtenu. On n'a pas eu l'arrêt de la circulation pour le forum des associations. On n'a pas eu l'arrêt de la circulation pour les fêtes foraines. Donc, on l'aura peut-être cette année pour le marché de Noël, je l'espère. Je voudrais savoir si parmi vous, c'est débattu, là, est-ce que c'est normal qu'au forum des associations, les voitures circulent autour du public? Si lorsqu'on est en train de se réjouir de la cité de Noël, c'est normal qu'on respire les gaz d'échappement d'automobilistes qui ne font pas marcher le commerce. Vous vous égarez encore une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je m'égare, mais je constate. Non, c'est tout ce non, que non, je peux dire. Non, vous ne constatez pas, on est complètement en dehors des questions qui sont posées à chaque fois. Ce n'est pas forcément grave parce que vous savez qu'en plus, il y a des commissions au cours desquelles on donne toutes les réponses techniques. Donc, s'il vous plaît, prenez votre temps de parole avec plaisir, dites ce que vous avez à dire et arrêtez de poser des questions et de divaguer, s'il vous plaît. On doit respecter le travail des uns et des autres. Je ne divague pas. J'ai bien vu des voitures tourner autour des enfants qui jouent au marché de Noël. Vous remettez chez moi. Très bien, bon, on l'a entendu. Pour votre information, ce n'est pas le sujet qui est posé là, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Qu'on en parle? Quand est-ce qu'on en parle de la piétonnisation de la Grand Place? On va laisser M. Mazel peut-être s'exprimer. J'aurais peut-être dû poser ma question avant. Non, je vais être un petit peu aussi en dehors de la délibération. Je regardais l'annexe justement par rapport aux différents tarifs sur l'occupation du domaine public. Et je regardais braderie. Donc ma question sera très simple. Quand est-ce qu'on va avoir le retour de la braderie sur Béthune, qui est tant attendue quand même? Alors, il y a une réunion ce matin. Oui, c'est ça. Avec les associations de commerçants. Donc, on vous a expliqué pourquoi et comment. Enfin, on n'a pas pu réaliser et enchaîner. On ne pourra plus enchaîner Béthune Rétro et la braderie. Pour la raison notamment de sécurité, les protocoles. Donc, nous avons fait l'impasse cette année parce qu'on n'a pas décalé au bon moment. Et surtout, le gros sujet, c'est de trouver la bonne date qui correspond au moins à tous ceux qui. En tout cas, la majorité des gens intéressés. Et donc, on a commencé par faire un petit sondage auprès des habitants, et puis des dates sont sorties. Nous avons aussi eu une première date qui a été proposée par les commerçants non sédentaires, la date du 21 août de mémoire l'année prochaine. Et ce matin, il y a eu concertation avec les marchands sédentaires. Je ne sais pas quel est le fruit de la réflexion, je n'ai pas eu le retour. L'année prochaine, oui, la date, il faut encore attendre un tout petit peu. Mais on concerte pour la mettre dans notre calendrier et on proposera d'ici d'ailleurs fin d'année un calendrier annuel des événements 2023 dans lequel on a prévu une place pour effectivement une braderie. Tout comme sur les marchés opus qui sont revenus en force, on nous a demandé cette fois-ci, tout comme les derniers, on nous avait suggéré de tout faire sur la même place, sauf de temps en temps dans quelques rues. Là, on nous a demandé de peut-être revenir aussi et pas que sur la place de Gaulle, la place Foch, donc tout ça on va le ramener, donc effectivement, on a eu tout cela. Voilà. Quant à la circulation, je rassure Madame L, on essaye d'adapter l'usage de l'espace public et de partager l'espace public. Comme vous l'avez vu cet été, on estime qu'il y a des moments, mettre tout piéton, ça n'a pas beaucoup de sens, ça empêche les livraisons, ça empêche l'accès, voilà. Mais il y a des moments où il y a du monde, et priorité au piéton ou au vélo, et donc c'est ce qu'on a fait en piétonnisant de manière partielle ou totale la Grand Place, à un moment de la journée ou de la semaine. Et donc on compte le refaire au mois de décembre, notamment sur ces week-ends de marché de Noël où on sait qu'on a beaucoup de monde, et notamment sur la bande roulante, et que compte tenu du fait qu'il y a parfois de l'attente pour rentrer, ça n'a pas beaucoup de sens de mettre en insécurité les gens et de mélanger les flux. Donc on est en train de regarder avec les commerçants pour qu'effectivement, aux heures d'ouverture, notamment les week-ends et pendant les vacances, nous puissions couper la circulation et permettre de se faire le matin les livraisons, le fonctionnement classique,
Et l'après-midi, ben laisser donc l'usage plutôt aux piétons, aux promeneurs, aux acheteurs, etc. Voilà, donc c'est le partage d'espace public tout simplement, quoi. Donc on est en train de mettre en place. Quand même une décision que vous pouvez prendre. Je viens de vous dire que on va prendre la décision, on va en parler, mais c'est un peu ce vers quoi on va. Mais permettez-nous de ne pas vous en parler tout de suite parce que nous devions, mais ils auront plus le scoop maintenant, en parler aussi avec les commerçants parce qu'on ne fait jamais ça. On passe jamais en force, vous voyez, et ce qui nous permet d'avancer progressivement et tenir compte un petit peu des avis des uns des autres pour faire ces changements. Donc, a priori, vous serez heureuse. On n'avait pas attendu vos commentaires parfois un peu acides et insistants pour bouger, même si, de ce point de vue-là, on est d'accord que ce n'était pas forcément la meilleure option. Voilà, donc on y travaille également, on lit humblement. Voilà. Je suis très heureuse de vous entendre dire. Donc sur cette 808, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Allez donc voter, je vous remercie. La 809, Ginette toujours. Alors dans le cadre de la réalisation des guinguettes hein, d'été qui se sont déroulées du 15 juillet au 21 août 2022, il s'agit d'une convention tripartite entre la communauté d'agglomération de Béthune-Brué-Artois-Lys-Romagne, la société Festivity et la ville de Béthune pour une redevance de 159,09 euros. Bon, voilà, donc pas de commentaires à faire, on a largement commenté, les gens s'en sont chargés pour nous, la guinguette n'a pas marché dans cette forme, dans ce format-là d'organisation, donc la proposition du groupe majoritaire l'année prochaine, c'est de reprendre en direct et en régie la gestion. Je pense que on ne devrait pas, je m'arrête là parce que tout le monde comprend ce que je veux dire. Sur la 809, y a-t-il donc des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est voté. Et enfin, Maryse, s'il te plaît, pour la 8-10. Oui. Donc, il s'agit ici de l'adhésion à l'association Haute Fidélité. L'association Haute Fidélité poursuit trois objectifs principaux, soutenir la filière des musiques actuelles, promouvoir la diversité culturelle et instituer de nouvelles pratiques favorisant la structuration et l'innovation. La ville de Béthune, adhérente à l'association Haute Fidélité, depuis 2018, doit s'acquitter de la cotisation au titre de l'année 2022 pour un montant de 600 euros. Il convient donc de régulariser cette adhésion. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc voté. Merci. Donc, on passe au chapitre démocratie de proximité et cohésion sociale. Et je vais donc céder la parole à Kim Elazouzi pour la 701, monsieur adjoint. Mon chapitre préféré, ça me permet de faire les ajustements techniques. Voilà, donc je vais vous parler de l'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie. Donc je vais essayer de ne pas être trop technique et d'être très pragmatique sur cette présentation. Parce que j'essaie de gérer ça en même temps. Voilà, pour faire simple, de quoi on parle? Cet abattement de TFPB, c'est un abattement sur le foncier bâti hein, qui est octroyé aux bailleurs sociaux qui ont des logements en quartier prioritaire, en échange de surinvestissement dans les QPV et à destination justement des habitants du quartier. On passe une délibération ce soir puisque, en fait, dans le cadre du contrat de ville, on a ce document annexe qui court sur la période 2016-2020 et donc on a dû reprolonger pour 2021, reprolonger pour 2022 et reprolonger pour 2023 pour pouvoir coller justement au calendrier du contrat de ville qui devait initialement s'arrêter en 2020 et qui est prolongé jusque fin 2023. Donc ça nous laissera le temps 2023 d'ailleurs d'écrire la nouvelle copie si cet abonnement existe encore et si on décide d'y aller pour pouvoir justement avoir un plan d'action pertinent pour les années à venir. Donc de quoi parle-t-on de manière encore plus pragmatique? On a une convention avec les trois principaux bailleurs présents dans les quartiers prioritaires, donc Pas-de-Calais Habitat, Maisons et Cités et la SIA, pardon. Et le montant de ces abattements, 325 000 euros pour Pas-de-Calais Habitat sur l'ensemble des deux quartiers qui sont concernés, donc c'est-à-dire le quartier du Mont-Liébeau et le quartier de la rue de Lille. Par quartier de la rue de Lille, entendons grand quartier de la rue de Lille, puisque on intègre aussi Bristol, par exemple, dans le quartier de la rue de Lille. C'est une construction géographique un peu particulière. Sur Maisons et Cités, on a une exonération de 11 900 euros. Et donc sur SI Habitat, nous avons 106 000 euros d'exonération.
Cette exonération annuelle, justement, elle fait lieu à une discussion entre la ville d'un côté et les bailleurs de l'autre pour déterminer un plan d'action et donc aller sur ces notions de vivre ensemble, de surinvestissement pour accompagner justement la vie des résidences. La vie n'étant jamais un long fleuve tranquille, mais sur ces axes de travail-là, on a quand même quelques réalisations à faire valoir, puisque nous avons priorisé le travail sur la TFPB autour de quatre grands axes. Le premier, c'est remettre du personnel, de la présence de proximité. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Il y a une théorie qui tient à cœur ici en mairie, c'est de dire qu'il faut éviter le premier carreau cassé, puisque si le premier carreau est cassé, c'est le meilleur moyen de pouvoir détériorer un bâtiment. Et donc, si à un moment, on ne met pas non plus de moyens humains dans la proximité, c'est le meilleur moyen justement aussi de laisser se déliter, comme on disait tout à l'heure, le lien social et puis les comportements qui sont un peu compliqués. Donc ça a été un des premiers axes, de pouvoir mettre un peu plus de concierges et un peu plus de médiateurs dans justement ces quartiers prioritaires. Le deuxième grand axe, c'est les petits travaux d'amélioration, c'est comme ça qu'on appelle cet axe-là, et donc dans cet axe, on va retrouver, par exemple, j'ai pris quelques exemples, le traitement des entrées et puis la mise en place de digicodes, donc le fait de repeindre, de bien refaire les entrées et puis de remettre un digicode, etc., notamment sur le boulevard des États-Unis, sur Madrid, sur l'IOT, mais ça a été aussi tout le travail de résidentialisation et puis l'ouverture du parking souterrain sur la résidence Brenhart. Le troisième point fort qu'on a souhaité mettre en avant aussi dans cette TFPB, ça a été toute cette notion de tranquillité résidentielle, avec notamment la mise en place de la vidéosurveillance, vidéosurveillance qui a été déployée principalement sur le boulevard des États-Unis par Pas-de-Calais Habitat pour mieux sécuriser les entrées. Donc sur tout le boulevard des États-Unis, les tours Pas-de-Calais Habitat sont en effet vidéoprotégées. Et puis le quatrième grand axe, c'est justement ce lien social et ce vivre ensemble qui nous est cher ici à la municipalité. Et donc on va retrouver là-dedans quelques montants, quelques lignes budgétaires qui ont été allouées pour accompagner des actions portées par le monde associatif. Et puis en parallèle, on a aussi la mise à disposition de locaux, notamment je peux citer les transparents, je peux citer Bristol, je peux citer Rosa Luxembourg et puis le local de la BSL, et puis je peux citer aussi le 1446 rue Copernic qui a été récemment mis à disposition par le bailleur Maison et Cité. Donc voilà un peu les grandes réalisations, si je veux aller dans les grandes lignes, de ce qui a été mis en place, mais ce que je voulais vendre, c'était surtout l'esprit des quatre grands axes qu'on a décidé de déterminer. Ça a été renforcer le personnel de proximité, sécuriser un maximum, travailler sur l'entretien et puis l'amélioration des parties communes, et puis bien sûr animer le lien social, puisqu'à un moment, on a besoin aussi de recréer du lien dans les quartiers prioritaires, et je me joins à ce que monsieur le maire disait tout à l'heure, quand on voit aussi la programmation estivale qu'il y a eu, et l'investissement des associations, je tiens à leur lever mon chapeau et puis les féliciter pour ce qui a été mis en place. Donc on arrive sur 2022, et là donc on est en renégociation sur 2023 où on amorce un virage. Un virage puisqu'on a souhaité travailler sur quelque chose d'assez novateur, ça a été la mise en place d'un financement interbailleur pour des actions justement de médiation. Je ne referai pas l'article du dispositif parce que c'est un dispositif qui fonctionne bien et monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, mais c'est le travail avec le club de prévention et les médiateurs de proximité. On a avec la ville conventionné deux médiateurs de proximité pour aller rechercher les publics de jeunes en proximité et puis pouvoir les réorienter vers les actions qu'on peut porter et ou vers la formation et puis différentes choses qui permettent d'accompagner et d'avancer intelligemment sur le chemin de la vie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que par le dispositif TFPB, les bailleurs sont OK pour se mettre à nos côtés pour financer deux postes supplémentaires à hauteur de 40 000 euros pour Pas-de-Calais Habitat, 13 000 euros pour la SIA et puis 40 000 euros pour Maison et Cité. Donc ça va nous permettre de pouvoir monter en puissance sur ces acteurs de proximité et faire en sorte justement que le parcours du jeune dont on parlait tout à l'heure, qui est important de borner, il puisse continuer et puis se faire intelligemment avec du public qui va chercher ce qu'on appelle les jeunes invisibles. Le deuxième grand axe, c'est tout ce qui est travaux d'amélioration, puisqu'on va continuer à avancer sur le traitement des entrées, notamment est prévu sur les 2023 le 2, 4, 6, 8, 12 Bruxelles, la finalisation de Moscou, Schwerth et puis Bristol. En parlant de Schwerth, plusieurs opérations sur Schwerth, il y a le traitement des entrées en effet, mais en parallèle, il y aura la réhabilitation des deux transparents, là, des deux locaux associatifs qui sont sur le côté, qui va nous permettre aussi de pouvoir repositionner des associations en proximité, et puis l'installation d'un point d'apport volontaire enterré, qui est attendu depuis longtemps, qui a pris du temps pour cause de Covid dans un premier temps, et puis là, parce qu'il y avait un travail de dévoiement de réseau avec
le prescripteur pour pouvoir justement dévoyer les réseaux électriques qui étaient en dessous et bien installer les choses, ce qui sera fait incessamment sous peu puisque Pas-de-Calais Habitat s'est engagé à le faire d'ici la fin de l'année et ou début d'année prochaine. Donc ça va aller très vite. Autres travaux d'amélioration, toute la notion de vidéosurveillance. On a encore 4 entrées à vidéosurveiller sur le Mont Liébeau. Donc il faudra aussi qu'on ait la discussion dans le cadre d'une cellule de veille pour voir là où c'est le plus pertinent d'aller vidéoprotéger en premier lieu. Et puis il y aura des travaux aussi d'amélioration, notamment sur Brenhardt au niveau de Rosa Luxembourg. Et puis on regardera aussi comment est-ce qu'on peut intégrer quelques travaux à déterminer sur le local associatif qui est présent aussi là-bas. Voilà un peu ce qui est mis en place dans le cadre de cette TFPB pour cette programmation 2023. L'année 2023, ça sera d'abord et avant tout aussi l'occasion de travailler justement sur la préparation du futur contrat cadre qu'on va pouvoir avoir avec eux sur l'année 2024 et on verra jusque où tout ça nous mène. Et donc il y aura un gros travail qui sera fait, mais en tout cas il y a une volonté de travailler un peu plus sur de l'interbailleur pour avancer. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a une enveloppe que les bailleurs gardent à disposition pour pouvoir accompagner financièrement les projets politiques de la ville. Donc c'est aussi une façon de les mettre dans le tour de table de la politique de la ville. Je le disais tout à l'heure, la vie, elle n'est pas forcément, un long fleuve tranquille, et donc dans ses relations avec les bailleurs, la TFPB est quelque chose qui est intéressant, qui demande un management de projet qui est important aussi de la part des élus, du maire, de moi-même, des équipes, puisque entre le tableau Excel qu'on peut voter entre nous et puis ce qui est mis en place, c'est important aussi de les serrer pour être sûr que tout ça se met en place et avance intelligemment. Et puis, ça n'élude pas non plus les difficultés qu'on peut avoir avec les bailleurs sociaux. Dernièrement, on a dû intervenir, et le maire a dû intervenir pour pouvoir remettre typiquement en état le chauffage. Donc, c'est-à-dire qu'on a des rapports avec eux qui sont présents, qui sont quotidiens. Et donc, on reste aussi en alerte sur l'intégralité des sujets. Ces travaux de surentretien sont importants pour nous parce qu'ils permettent de retravailler un peu sur le collectif, mais on reste aussi à disposition pour accompagner les problématiques individuelles comme il y a pu y avoir dernièrement sur la question du chauffage ou sur d'autres sujets liés à l'insalubrité de quelques bâtiments sur lesquels, là aussi, on a une politique proactive qui est importante. Voilà, je vous remercie. Merci, c'était important de savoir à quoi servent ces exonérations et comment elles sont donc redistribuées ou réinvesties. Merci à Hakim. Y a-t-il... Oui, madame L. Oui, pour avoir lu les quelques tableaux, là, ils ont mis du temps à démarrer. Ils ont bénéficié rapidement de la déduction. Et puis, il y a beaucoup de reports quand même, peu d'actions qui étaient faites dans les premières années. On voit qu'il y a des projets pour que ça aille mieux, mais ça met du temps à démarrer. Et est-ce que vous faites ça en concertation avec les habitants? Ça correspond, la vidéosurveillance, ça correspond à ce qu'ils demandent ou voilà. Alors, merci de la question, parce que c'est vrai que je l'avais noté sur ma petite feuille et j'ai oublié de le dire. Deux choses et deux éléments de réponse. Le premier, c'est que, en fait, ce qui n'est pas dépensé en 2020 est reporté automatiquement en 2021. Donc, en fait, l'argent est reporté. Là, moi, j'ai fixé aussi, on a fixé avec monsieur le maire une condition pour pouvoir réouvrir la discussion sur la prochaine TFPB. C'est qu'ils ne nous la fassent pas à l'envers. Tout simplement, à un moment, on a une relation partenariale ou on n'a pas une relation partenariale. Donc, dans ce qui a été acté, ils ont 2023 pour le faire. Beaucoup de choses ont été préprogrammées. C'est-à-dire que, typiquement, on parlait des PAV qui devaient être faits en 2021, par exemple. Ça ne se fera que l'an prochain, puisque forcément, il faut le temps aussi qu'eux passent par la case appel d'offres, etc. etc. Donc, il y a des impondérables en matière de délai sur lequel on n'a pas le choix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la notion d'association des habitants, je suis entièrement d'accord avec vous. La programmation de l'époque, elle a été faite en concertation avec les habitants, mais là, on a expérimenté quelque chose, puisqu'on avait un reliquat avec Pas-de-Calais Habitat sur la rue de Lille, et on a mené une réunion Pas-de-Calais Habitat, ville de Béthune et habitants de Bristol pour faire un tour un peu de l'ensemble de Bristol et dire, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de voir chez vous? On a de l'argent à disposition, qu'on peut dépenser, qu'est-ce que vous avez envie de voir et comment est-ce qu'on priorise les choses. Donc ce qui a permis de construire un programme d'action qui était quand même beaucoup plus pertinent, puisqu'en effet, j'habite pas sur la résidence Bristol, typiquement, donc je pense que c'est important d'avoir l'avis des habitants de la résidence Bristol pour savoir comment on peut améliorer le quotidien. Sur la résidence Brenhardt, par exemple, je sais que la SIA
a commandé une étude pour savoir exactement comment les gens se sentaient dans les résidences et quels étaient les points à améliorer au sein de la résidence. Donc il y a eu toute une enquête qui a été réalisée sur la résidence Brenhart auprès des habitants pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses justement sur cette résidence. Donc on commence à le faire. Je ne dis pas qu'on a été exemplaire par le passé là-dessus, mais il fallait le temps d'amorcer la pompe. Là, on commence à le faire vraiment et d'associer les habitants. Et moi, là où je vous rejoins, c'est que là, on a le temps, sur 2023, d'écrire la prochaine programmation qui va durer 4-5 ans. Et je pense que la période 2023, ça doit être la période sur laquelle on prend le temps d'aller en bas de tour, échanger avec les gens sur l'amélioration du quotidien. Et l'amélioration du quotidien. Donc on l'expérimente, on commence à le faire, mais il faut qu'on l'ancre comme méthodologie pour l'écriture de la suite. Parce que là, on n'est que sur un avenant, et donc un avenant, ça veut dire qu'on a déjà arrêté en amont les grandes thématiques. Et donc, vous parlez de locaux mis à disposition. Alors, Cateau-Rive n'est pas du tout concerné par ça. Il n'y a pas de bailleurs sociaux à Cateau-Rive concernés. Il y a des bailleurs sociaux à Cateau-Rive, mais ne sont concernés par les actions dans le cadre de cet abattement de TFPB, que les quartiers politiques de la ville. Les quartiers politiques de la ville, pour vous faire simple, vous prenez une carte de la France, vous faites des petits carrés de 100 mètres par 100 mètres, vous prenez le revenu médian, et quand on a une concentration de fragilité, on dit, tiens, là c'est un quartier politique de la ville, on s'appuie d'abord sur ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire les politiques qu'on mène tous les jours, et après, en parallèle, on dit, on peut mettre des moyens supplémentaires pour aller un peu plus loin et résorber les difficultés sociales qu'il peut y avoir dans le quartier. Là-dessus, ne sont concernés par l'abattement TFPB que les deux quartiers politiques de la ville, donc ce qu'on appelle la rue de Lille, c'est-à-dire, grosso modo, rue de Lille, Mont-Saint-Pareil, Université et Bristol, et puis le Mont-Liébeau. C'est les deux quartiers qui sont concernés, donc il n'y a que là-dessus qu'on peut intervenir. Mais je vous rejoins encore une fois de plus, c'est que Cateau-Rive, il faudra qu'on arrive dans la prochaine négociation du contrat de ville à faire rentrer Cateau-Rive dans le contrat de ville, puisque c'est aussi un lieu où on a des bailleurs, où on a des fragilités, et donc il est important aussi qu'on puisse aller un peu plus loin. Après, et je conclue là-dessus, on a une chance extraordinaire à Béthune, c'est qu'on a toujours voulu, pas substituer à l'inégalité sociale, de l'inégalité territoriale. C'est-à-dire que ce qu'on met en place, souvent dans les quartiers politiques de la ville, en termes d'action, on le déploie aussi sur l'ensemble de la ville. Pour preuve, le programme de réussite éducative qui est financé dans le cadre de la politique de la ville, c'est un programme d'action que M. le maire a souhaité à l'époque déployer sur l'intégralité de la ville. Donc on se dit que quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison en fait, de seulement le laisser à certains quartiers et pas à d'autres, et donc à le déployer à l'intégralité des personnes. Donc on a vraiment cette logique et cet esprit, et la chance d'avoir un bureau municipal aussi qui souvent suit cette logique de déploiement des actions. Merci pour ces explications complètes. Sur cet avenant à ces délibérations, y a-t-il des oppositions, des abstentions non plus? Donc c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Ginette Pedot pour la 702. Alors il s'agit de subventions de fonctionnement et de subventions exceptionnelles, dont deux subventions exceptionnelles attribuées à l'association Team Carte Béthunois, qui avait prêté son concours pour l'organisation du premier vide-grenier, sport d'occasion qui s'était roulé le jour du forum des assos, et la deuxième pour de 800 euros, la deuxième de 500 euros pour l'association Vie Active, pour une demande de subvention exceptionnelle suite à leur participation au projet Étoffe Blanche à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation des violences faites aux femmes le 25 novembre 2022. Et une subvention de fonctionnement attribuée de 2000 euros à Béthune Partage. Merci. Y a-t-il des... Béthune Partage, donc Sabine Leroy ne participe pas oui. au vote. Oui, donc... Non, mais Sabine ne participe pas au vote. Elle ne participe pas au vote. Voilà. Donc, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. C'est donc voté à l'unanimité. Hakim Lazouzi, à nouveau, pour la 703. Voilà, c'est les subventions politiques de la ville. Et donc, dans ce cadre-là, on vous propose de verser 10 000 euros de subventions au futsal à Béthune. Pas pour le plaisir, mais parce qu'on travaille avec eux dans le cadre de la politique de la ville. Donc, il y a eu un accompagnement déjà de la part de l'agglomération. Là, on est sur la part communale, parce qu'ils mènent une série d'actions dans les quartiers prioritaires et plus principalement au Mont-Liébeau. Où justement ils ont lancé l'action Béthune Futsal dans la street, qui est proposée chaque mercredi et pendant les vacances scolaires.
À titre indicatif, c'est une action qui fonctionne bien, puisqu'on est passé de un créneau, donc de pratique libre du futsal et du sport, à deux créneaux, puisqu'on commence à avoir énormément de monde, et puis une disparité d'âge, c'est-à-dire qu'on avait des très jeunes, des moyens jeunes et des moins jeunes, on va dire ça comme ça. Et donc dans ce cadre-là, on passe sur deux créneaux horaires, mais il y a eu aussi après la participation à d'autres types d'actions et d'animations qui ont été mises en place, notamment celle avec l'UFOLEP, mais celle aussi... avec nos quartiers d'été. Voilà. Donc on continue cette politique d'éducation populaire et d'accompagnement à la pratique sportive libre et encadrée. Ce qui veut dire que dans l'exemple qui a été cité, les jeunes ne payent rien, donc la carte passe sport, pas jeune, pardon, précisément, n'a pas d'utilité en tant que telle, puisque c'est gratuit déjà, à la base. C'est pour ça que c'est pas mis dans les subventions sportives, parce que c'est une animation. C'est une action de la politique de la ville spécifique, c'est pas pour le futsal compétition sous licence, c'est une action en plus pour permettre à des gamins de pouvoir aller faire du football. Vol éducatif, oui. Avec des éducateurs d'ailleurs à côté qui permettent aussi de faire le lien avec tous les dispositifs qu'on met en place. Vous voyez, à un moment, le cercle qui se referme. On constate de la cohérence. Merci. Vous pouvez même me féliciter. Ça... si ça vous fait plaisir. Oh, tu auras droit à un bon point. Alors, cette déroutera-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, c'est adopté. L'unanimité, volet aménagement urbain, nous avons trois délibérations. Et je vais laisser la parole à Pierre Gibson, notre premier adjoint, pour le 901. Merci Monsieur le Maire. Donc la 901, il s'agit d'un rapport qu'on présente tous les ans. C'est le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2021. C'est tout ce qu'on a voté en cours d'année pour acheter ou vendre des biens immobiliers sur l'année 2021. Merci. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'est donc acté, la 902. Alors la 902, on l'avait déjà votée, mais les services de l'État nous ont demandé d'ajuster un point virgule. J'exagère à peine, mais il y avait une petite coquille à leurs yeux. Donc il s'agit de revoter l'acquisition pour rétrocession dans le domaine public dans la rue de Chouer d'une parcelle cadastrée AX591 et une parcelle dans la rue de Courté cadastrée AZ51 qui annule et remplace la délibération 9-8 du 11 avril 2022. Merci pour ces précisions. Bon, ben voilà, donc c'est plutôt une correction en fait. Hein. Une délibération qui a déjà été votée. Y a-t-il donc des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas, merci. La 903. 903, il s'agit de la vente d'une parcelle cadastrée AZ293, située dans la rue du Louvre, au profit de Madame Eragby, qui est une propriétaire de la rue du Louvre et qui s'est proposée de nous racheter un bout de gazon qui était en domaine public et qu'elle se propose de racheter pour intégrer à son jardin. Et je trouve que c'est une bonne démarche, donc quand on peut se délester de quelques morceaux de foncier dans certaines rues qui peuvent permettre à des riverains d'agrandir leur jardin ou d'avoir un espace vert un peu plus qualitatif, c'est toujours intéressant pour nous de proposer aux riverains de l'acquérir pour une somme modique, hein, vous l'avez vu. Mais je trouve que c'est une bonne démarche d'avoir des gens qui souhaitent entretenir les espaces verts autour de chez eux et voir s'emporter acquéreurs. Quand c'est des espaces verts qui n'ont pas d'intérêt public et collectif pour la ville, c'est toujours gagnant-gagnant, gagnant pour le riverain et gagnant pour la ville. Merci. Cette proposition, y a-t-il une opposition, une abstention non plus? C'est donc adopté et on pourra confirmer tout cela. La requérante. Merci beaucoup. Toujours Pierre-Maël Gibson dans le volet donc maîtrise d'ouvrage et conduite d'opération, gestion et entretien du patrimoine pour la 1301. Donc la 1301, il s'agit d'une convention cadre avec la société Enedis qui va permettre de mutualiser les travaux visant à la pose d'ouvrages de communication électrique conjointement les travaux sur le réseau public distribution. C'est un peu technique, c'est un avenant numéro un. C'est pour vous dire qu'en fait, quand on peut utiliser les infrastructures d'Enedis, que ce soit les poteaux dans les rues ou les fourreaux sous la route avec des fosses communes, plutôt que de poser des nouveaux poteaux ou de creuser des tranchées dans les rues, on utilisera au maximum les infrastructures d'Enedis, on les partagera entre nous, Enedis et d'autres opérateurs. Voilà, ça permet de faire des économies pour la ville, ça permet aussi de faire... finalement d'éviter la forêt de poteaux dans certaines rues, se servir des poteaux existants et surtout en souterrain, ça permet d'éviter de rajouter des réseaux au réseau dans une ville qui est déjà très dense. Donc on utilise, on mutualise en fait, on fait en bonne intelligence. Ce n'était pas le cas forcément auparavant puisque la politique des Indies était différente, mais aujourd'hui tout le monde veut faire ensemble, donc les astres sont alignés pour voter cette délibération.
Ben justement, oui, là, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit, est-ce que c'est normal qu'il y ait un piquet de plus sur le trottoir parce qu'on passe la fibre, etc. Donc ça rétrécit le passage et ça ne permettait plus la même chose qu'auparavant. Donc, quel recours est-ce que c'est contrôlé il a écrit une lettre et il n'a pas eu de réponse, cette personne. Alors c'est un vrai sujet qui nous a occupés depuis 2-3 ans maintenant, puisqu'effectivement, les opérateurs, là, Orange en l'occurrence, ont l'obligation de déployer la fibre à Béthune rapidement. Pour déployer la fibre, ils nous avaient présenté un premier plan de déploiement avec plusieurs centaines de poteaux en plus. Donc on a dit, c'est hors de question de rajouter une centaine, plusieurs centaines en l'occurrence de poteaux en Béthune. Donc on a travaillé notamment avec Enedis, rue par rue, poteau par poteau, pour voir à quels endroits les poteaux Enedis étaient assez solides pour supporter la fibre en plus et à quels endroits on ne pouvait pas le faire. Et donc, on a restreint une trentaine de doubles poteaux, où effectivement, je prends l'exemple de l'avenue Sully, j'y étais cet après-midi, j'en ai vu un, où on a été obligé de laisser Orange poser un double poteau, donc un deuxième poteau à côté de celui d'Enedis, pour pouvoir supporter la fibre, parce que le réseau Enedis était tellement déjà chargé entre Enedis, le réseau d'éclairage public, les télécoms, qu'il a fallu rajouter un poteau. Donc on a évité plusieurs centaines de poteaux dans Béthune, on a encore des endroits où on a quelques poteaux en plus, donc oui, c'est contrôlé. Les endroits où ça a été fait, c'est que c'était vraiment inévitable et qu'on n'avait aucune autre solution à court terme, sachant que c'est des rues où le jour où on sera amené à rénover la voirie, comme on l'a fait rue de Saint-Paul, comme on s'apprête à le faire rue du Rabat, quand on rénove une rue de façade à façade complètement, on enfouit tout ça, et on fait disparaître tous les poteaux, et on met tous les réseaux en souterrain, ce qui est l'idéal. Par contre, ça coûte beaucoup d'argent, et ça ne peut se faire que dans le cadre d'une grande opération. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible pour nous de demander à Orange d'ouvrir l'avenue Sully complète, par exemple, pour poser sa fibre en dessous pour éviter un seul poteau. Donc dans un premier temps, oui, il y a des endroits où il y a des doubles poteaux. Ils sont mis en général dans l'alignement de la ligne électrique et ligne fibre, ce qui fait que ça ne réduit pas le trottoir en largeur, normalement, avec peut-être quelques exceptions. En tout cas, ça a été vérifié, contrôlé, et ça fait 3 ans qu'on est au travail sur le sujet avec Orange. Donc là où ça a été fait, le riverain qui vous a questionné, qui nous a écrit, il va lui être répondu certainement qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ce n'est pas un plaisir pour nous de rajouter des poteaux. Moins il y en a, mieux c'est, surtout dans une ville au patrimoine historique très riche. On ne peut pas dire que ce soit très beau d'avoir des cordes à linge un peu partout. Mais sur certains endroits de la ville, on a été obligé de l'accepter pour l'instant. Donc je vous le redis, plusieurs centaines initialement prévues, on a réduit à une trentaine. Et là où on l'a fait, c'est vraiment que ce n'était pas possible de faire autrement et que le réseau Enedis n'aurait pas supporté la surcharge du câble. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Alors, système d'information, on a peut-être 3 délibérations qu'on pourrait peut-être même regrouper. Oui, monsieur le maire, il s'agit simplement de régulation, de contrats de maintenance, de 3 logiciels différents. Un logiciel qui nous sert à contrôler la publicité extérieure, les enseignes, des commerces et des grandes surfaces et des usines. Un deuxième logiciel qui nous permet de gérer les webcams en direct sur le site de la ville pour l'église Saint-Va et celle de la Grand Place. Et un dernier logiciel, on en parlait tout à l'heure justement, qui va nous permettre de rajouter des caméras de vidéoprotection sur la Cité Blanche. Ça a déjà été installé, donc on régularise. On a été tiré de la fibre optique privative ville jusqu'à la Cité Blanche pour brancher les nouvelles caméras de vidéoprotection. Oui. Merci. Donc sur ces 3 délibérations, 4-0... Oh, pardon, madame L. Oui, qu'en est-il de l'application de la loi là, sur les... Parce qu'il y a un logiciel pour les enseignes. Pour gérer les taxes sur les enseignes. Donc, est-ce que c'est respecté? Est-ce que vous avez fait des contrôles pour qu'on arrête les enseignes lumineuses selon la loi? Alors, il y a plusieurs choses, il ne faut pas tout mélanger. Et je comprends votre question, mais pour bien expliquer, puisqu'on est regardé aussi en vidéo, nous, on est en charge effectivement de collecter la taxe locale sur les publicités extérieures, TLPE. Ça concerne donc tout ce qui est publicité extérieure, les enseignes des commerces, des usines, des grandes surfaces. Enfin, voilà. Donc nous, on contrôle les surfaces au mètre carré et ensuite on applique une taxe et on la collecte qui elle arrive dans les caisses de la ville. Ça, c'est le travail de la ville. Vous, vous posez la question du respect de l'extinction des enseignes lumineuses sur certaines heures de la nuit, et c'est d'autant plus d'actualité, vous avez raison de l'évoquer, puisque on cherche en ce moment la sobriété énergétique et on cherche effectivement à ne pas gaspiller l'électricité et l'énergie. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais on a pris ici un centre de décision, notamment sur les illuminations de Noël, afin de contribuer, de montrer l'exemple sur la sobriété énergétique qui est devenue indispensable face à un hiver qui pourrait être rigoureux, qui pourrait occasionner pour l'ensemble des habitants de la ville et au-delà du territoire et de la France des coupures. Ce qui est vraiment la pire des choses
et ce qui fait peur, monsieur le maire le disait, à beaucoup de monde. Donc on n'est pas en charge, nous, la ville, aujourd'hui, de contrôler ça. Cependant, on est tout à fait en train de réfléchir à ce que la police municipale, mais également les agents de l'urbanisme qui sont assermentés, puissent effectivement relever d'éventuelles infractions, sensibiliser le commerçant ou le chef d'entreprise. Et s'il y a effectivement quelque chose qui perdure, on peut tout à fait verbaliser ou alors écrire au procureur de la République pour qu'il verbalise. Mais on est toujours, vous le savez, on n'est pas sur une logique, nous, de carotte et de bâton. On essaie d'abord de faire de la prévention, de la sensibilisation et d'expliquer. Et on a un stand de commerce, alors Christophe pourrait le dire mieux que moi, mais à qui on a déjà fait la remarque orale en disant « tu déconnes, là, sur ta façade, c'est encore allumé ». Par contre, je vais vous dire, au prix de l'électricité aujourd'hui, ils vont tous s'éteindre. Hein. Donc je pense qu'aussi ça va faire son œuvre. Donc on est vigilant, vous avez raison. Il reste un centre de commerce dans Béthune qui ont des enseignes allumées tard le soir, c'est pas normal. Et donc on va dans les prochaines semaines aller vers eux de façon pédagogique. Il ne s'agit pas de faire que du répressif, mais oui, il faut qu'on montre tous l'exemple. Et d'ailleurs je vous annonce, mais vous le savez déjà, que nous avons éteint l'ensemble des monuments de la ville qui étaient éclairés la nuit. En tout cas pour cet hiver, on rallumera certainement au printemps sur la période un peu plus festive, mais la façade du théâtre, les monuments aux morts, sont désormais éteints, complètement éteints, puisque c'est de l'éclairage, on va dire, superflu par ces temps de crise. Et donc, on montre l'exemple aussi à ce niveau-là. Donc, nous, la ville, on montre l'exemple et on tâche que l'ensemble des commerçants, des industriels montrent également l'exemple pour être sobre en énergie. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on est, comme vous, on partage les mêmes préoccupations sur ce sujet-là. Merci, Pierre-Yves, pour ces explications. Y a-t-il donc des oppositions ou des abstentions sur ces trois délibérations? Non, donc la 401, 02 et 403. Elles sont donc adoptées. Sur le volet ressources humaines, donc je vais laisser la parole à Francis Cordonnier. S'il te plaît, monsieur l'adjoint, pour la 301. Merci, monsieur le maire. Alors, la 301, considérant la nécessité de recruter un agent sur l'emploi de chargé de projet SIRH, donc c'est les systèmes d'information des ressources humaines, cette délibération est présentée afin d'autoriser le recrutement de ceux ou de sept chargés de projet pour une durée maximale de 6 ans, mais qui prendra fin lors de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu. Merci. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'est voté. La 302. Alors la 302, passage à temps complet d'un poste. Donc c'est une suppression et une création. Donc en fait, il s'agit d'un poste à 30 heures d'un agent d'enregistrement du courrier. Donc 30 heures par semaine, donc au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe territoriale. Donc on supprime ce poste pour en créer le même, mais à 35 heures. Donc c'est un passage à temps complet, et donc ça a reçu bien entendu un avis favorable du comité technique le 29 septembre. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non. Merci. La 303. Alors, il s'agit de la prime de service, c'est la mise à jour du montant de la prime de service allouée aux agents de la ville et aux agents non titulaires à compter du 1er juillet 2022. Cette prime est calculée sur la base de l'indice 100, revalorisé au 1er juillet 2022. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non. Et la 304, s'il te plaît. Et la 304, comme souvent, c'est la délibération qui permet le remboursement des frais de formation et déplacement des élus. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui, je vous ai. Abstention, pardon. L'abstention. C'est donc voté, merci. Oui, juste. Alors j'espère que je n'égorge pas le nom de famille, mais j'ai une pensée pour Isabelle Rumetz qui nous a quittés et une pensée à ses enfants aussi. Vous anticipez notre petit mot à la fin. Oui, exactement. Qui était souffrant depuis quelque temps. C'est Isabelle qui nous a quittés. Donc, si vous êtes d'accord, on pourra avoir une pensée pour eux tout à l'heure. Hein, c'était prévu. Merci beaucoup. De ce fait, donc les finances, pardon, contrôle de gestion de l'évaluation. Donc, la 201, monsieur le premier adjoint.
Alors, la 201, c'est une délibération assez classique qu'on passe régulièrement. C'est d'un centre de créances admises en non-valeur. Et je pense qu'on peut grouper avec la 202 qui constitue les créances éteintes. C'est un ensemble de titres de recettes de la ville qui n'ont pas été récupérés par le trésorier payeur. Des gens insolvables, introuvables, parfois décédés, sans héritier. Et donc, il s'agit pour nous d'annuler ces créances. Donc, c'est une perte de recettes pour la ville, mais de toute façon, c'est des créances qu'on ne va jamais récupérer. Donc, autant les éteindre tout de suite et les admettre en non-valeur tout de suite plutôt que de les traîner dans nos comptes pendant plusieurs années, ce qui créerait artificiellement une recette en attente qu'on n'aura jamais. Voilà, les sommes sont assez faibles, vous l'avez vu, et je tiens à le dire, à chaque fois qu'on détecte des titres non payés en cantine, etc., systématiquement on transfère l'information au CCS qui se rapproche des familles ou des usagers, parce que souvent des factures non payées, c'est souvent le signe de difficultés financières avec parfois des familles qui n'osent pas venir vers nous et qui, on en parlait tout à l'heure, aller vers, qui n'osent pas nous le dire. Donc dès qu'on a des impayés, systématiquement on a une action sociale d'aller vers la personne, de comprendre pourquoi il y a des impayés, de faire des échéanciers en lien avec la trésorerie à chaque fois. Et s'il y a besoin de plus, d'avoir des accompagnements renforcés avec l'aide du CCS, mais aussi du PIMS, etc. Donc systématiquement, on ne prend pas les choses à la légère, on ne matraque pas les gens. Si ce n'est pas payé, on essaie de comprendre pourquoi, on accompagne. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc 201 et 202. Y a-t-il donc des oppositions ou des abstentions? C'est donc voté, merci. Alors la 203. 203, il s'agit du rapport délégataire Q-Parc pour l'année 2021. C'est l'occasion avec Monsieur le maire de vous faire un petit point d'étape sur ce dossier au long cours. Vous le savez, nous avions décidé collectivement à l'unanimité sur le mandat précédent d'aller en justice pour demander l'annulation d'un contrat qu'on estime, de notre point de vue, illégal. Nous avons donc fait valoir nos arguments en première instance au tribunal administratif de Lille et nous avons perdu. En tout cas, nos arguments n'ont pas été entendus. Et donc nous avons décidé de faire appel de la décision du tribunal administratif de Lille, puisque nous avons le souhait, l'espoir que la cour d'appel regardera le dossier de façon peut-être un peu différente. Et on est en train d'engager un certain nombre notamment d'expertises complémentaires pour avoir des arguments supplémentaires et des précisions supplémentaires pour attirer l'attention des juges d'appel sur ce qui nous gêne dans ce contrat. On en a parlé longuement en commission la dernière fois. J'ai eu l'occasion de réexpliquer les détails, mais en tout cas, nous sommes toujours sur un mariage qui ne nous convient plus, qu'aujourd'hui on subit, qui nous coûte beaucoup d'argent, qui ne nous laisse pas mettre de notre politique de stationnement à Béthune, ce qui pose des problèmes d'attractivité de la ville. Ça nous coûte cher, je l'ai dit, et nos rapports avec Q-Parc sont très compliqués puisqu'il n'y a plus de rapport du tout. Il n'y a plus d'offres à 1 euro pour les commerçants le week-end quand il y avait des opérations festives. C'est assez compliqué, donc on est toujours sur une logique de vouloir divorcer, si je puis le dire. Et donc on souhaiterait effectivement que le tribunal administratif, la cour d'appel administrative nous donne raison pour qu'on puisse casser ce contrat d'une manière ou d'une autre et en sortir, récupérer nos parkings et notre stationnement et notre politique de stationnement et permettre à Q-Parc, qui soi-disant perd de l'argent à Béthune, de prendre ses aises et d'arrêter de perdre de l'argent dans notre ville. Voilà en très résumé. En tout cas, la procédure judiciaire continue et donc rendez-vous devant la cour d'appel. Alors ça prendra un certain nombre de mois, voire d'années, parce que les procédures administratives en France sont longues. Mais en tout cas, on est toujours sur la même ligne, on est toujours sur une ligne de fermeté, de défendre les intérêts des habitants de la ville et des finances publiques. Je rappelle que ce contrat nous coûte toutes les recettes du parking souterrain, c'est pour Q-Parc. Toutes les recettes des horodateurs, c'est pour Q-Parc. En plus, c'est 500 000 euros par an, parce qu'évidemment, avec un business plan inatteignable, même en rendant toute la ville payante, on n'arrive jamais à leur donner suffisamment. En plus, on paye 9 ASVP qui sont là pour faire, entre guillemets, et je le dis avec beaucoup de respect pour eux, parce que c'est un métier difficile, les pervenches pour Q-Parc. Voilà, une période de rareté des finances publiques, je pense que l'argent des Béthunois pourrait être utilisé de façon différente. Et donc, on maintient nos arguments, ils n'ont pas changé. Par contre, on passe le rapport administratif pour une raison simple, c'est qu'en cour d'appel, enfin, en tout cas en juridiction administrative, l'appel n'est pas suspensif. Donc, tant que la cour d'appel ne se sera pas exprimée, cour d'appel administratif sur le dossier Q-Parc, le jugement de première instance, il s'applique. Et donc, on est obligé de passer ces rapports. Et pour tout vous dire, on a été obligé, sous menace du préfet, de le faire d'office, de payer tout ce qu'on devait à Q-Parc depuis quelques années. Vous le saviez, on avait bloqué l'argent sur les comptes de la ville, il était disponible. Et donc, on a payé toutes les années qui avaient été bloquées depuis le mandat précédent à Q-Parc. Donc, ils ont eu un certain nombre de recettes. Tant mieux pour eux, mais malheureusement, tant pis pour nous. C'est de l'argent qui était prévu, mais en tout cas, symboliquement, on a été obligé de le verser, puisque le préfet nous a fait remarquer que le jugement de première instance s'appliquait et que l'appel n'était pas suspensif, mais ça, on le savait déjà. Donc, suite à l'adoption de ce rapport ce soir, on va verser notre quote-part sur l'année 2021 à Q-Parc,
à regret, mais en tout cas dans la stricte application du contrat. Et vous voyez bien, encore une fois, qu'ils sont gagnants à tous les coups et que le contrat est rédigé de la façon que, dans tous les cas, la ville a toujours le bras tordu. On nous dit « faut payer, faut payer, faut payer ». Voilà, donc je soumets à votre sagacité, donc on fait appel, vous avez retenu, on pense qu'il y a même des arguments qui n'ont pas été lus ou étudiés, mais c'est la raison pour laquelle on fait appel, pour qu'il y ait une lecture complète, selon notre point de vue, de la situation. En attendant, le contrat vit sa vie. D'ailleurs, on attend que Q-Park fasse ses travaux, qu'il nous doit aussi concernant donc, les ascenseurs, notamment l'accessibilité PMR, et en même temps... S'ils estiment qu'on n'est pas bien à Béthune, nous on veut bien divorcer l'amiable. On a marre de prendre des coups gratuitement, voilà. Oui, voire même on paye pour en prendre. Donc si on peut être libéré de cette contrainte, ça serait tout à l'honneur aussi de Q-Park. Donc on peut effectivement discuter. On espère qu'on pourra discuter aussi pour d'une manière ou d'une autre, en tout cas nous séparer et reprendre chacun notre vie. Et surtout nous la main sur un outil, ça va plaire à Madame Hel ce que je vais dire, un outil de la mobilité. En tant que tel, puisque le stationnement, c'est un vrai outil qui n'est pas aujourd'hui entre mains, évidemment. Voilà. Justement, là où on commence à avoir quand même j'entends une inquiétude financière, on est aussi en train de dire la gratuité du parking à certains endroits, qui provoque l'envahissement des parkings. Et est-ce qu'on n'est pas en train de, on devrait pas réfléchir un peu à réguler ça, parce que. Alors à quoi vous pensez, vous voulez. Par exemple, le parking du cinéma est plein. Vous voulez rendre payant des parkings en fait, c'est ça? Comment? Il y a des parkings. Il y a tout ce qu'il faut pour limiter, pour avoir un pass, pour justifier qu'on en a besoin. Donc vous voulez... Un peu, parce que déjà... Déjà, je comprends qu'on n'a pas énormément de finances, je comprends ça. Donc, finalement, c'est l'ensemble des contribuables béthunois qui payent ça. Donc, les parkings, il faudrait quand même le contrôler, quelque part. Parce que si le parking du cinéma est envahi, je ne pense pas que ce soit des clients du cinéma, malheureusement. Alors, je suis d'accord, mais donc vous êtes en train de dire... Enfin, votre idée à vous, hein, si j'ai bien compris, ce serait de rendre payants les parkings gratuits, pour les réguler. De réguler. Ben justement, on en a parlé en commission plénière. Mais par le paiement. Par le paiement, par l'acquisition d'une carte, par justifier la nécessité d'utiliser ce parking. Et à quel tarif vous avez une idée du tarif qu'on pourrait appliquer? On peut en discuter, ça peut être mis à débattre. Moi, je vous propose de vous faire des finances. Alors, on aura noté que vous étiez pour la création donc d'une tarification. J'ai regret de vous dire qu'on ne pourra pas en débattre parce que, de fait, nous n'avons plus la compétence contractuellement. Nos prédécesseurs se sont démis de cette capacité à créer des parkings, à les réguler, etc. Puisqu'aujourd'hui, si on veut exploiter un parking, c'est la compétence de Q-Park. Celui de la gare. Donc, celui de la gare, celui du cinéma. Si vous voulez rendre payant ou si vous voulez réguler, ce n'est plus de notre compétence, ouais, effectivement. On ne peut pas. On ne peut pas avoir une double tarification. On ne pourrait pas concurrencer le stationnement payant de surface qui est exercé aujourd'hui par Q-Park. On a délégué le service. Donc vous ne pouvez pas l'exercer en même temps. Donc c'est pour ça que je vous disais que nous n'avons plus la main sur l'outil et qu'au-delà des considérations financières, c'est aussi les considérations juridiques et l'outil pour pouvoir piloter le stationnement. Voilà. Mais on a noté que vous étiez pour ces outils-là. Il faut réguler parce que c'est pas normal que ce soit archi plein. Il y a quand même des gens... C'est le principe d'un parking à la base, hein, mais... Ah ouais. Mais le remplir, en fait, l'attractivité, c'est plus... Comment? Alors, ceux qui viennent de... ceux qui viennent de loin, ils doivent pouvoir justement en bénéficier. Et ils doivent justifier qu'ils prennent le train. D'accord? Ils doivent justifier aussi qu'ils prennent le train. Madame Hel, si je peux me permettre, parce qu'on a eu le débat en commission. En commission, vous avez été plus loin, parce que vous nous avez même proposé de dire qu'à moins de, quand on habite à moins de 3 km de la gare, on est chassé, on n'a pas le droit de venir en voiture. Vous avez dit ça en commission. Mais mettez votre micro, il faut l'expliquer. Ça serait bon, puisqu'on a 45 000 déplacements internes à Béthune tous les jours. Ça veut dire des déplacements de 2 ou 3 km.
Et alors, c'est 45 000 déplacements internes, on a eu ces chiffres aux assises de la mobilité, ils se font en voiture. Quand même, c'est 2-3 km, on devrait. Quelqu'un qui habite Cateau-Rive, quelqu'un qui habite Beaumarais, voilà, peut-être lui, il n'est pas obligé de prendre sa voiture, il pourrait trouver un autre moyen de locomotion, je vous laisse imaginer lequel, mais. On en a parlé en commission, mais on vous l'a déjà expliqué. La gare, c'est un élément stratégique pour la ville. C'est 1,8 million de passagers par an. C'est la 10e gare des Hauts-de-France. Donc, c'est l'une des principales gares au nord de Paris. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, travaillent sur Lille ou travaillent sur Paris ou travaillent sur Arras ou sur Dunkerque, etc. En tout cas, prennent la gare. Vous devriez être contente qu'il y ait autant de gens qui utilisent le train. Parce que le train, c'est un moyen de transport écologique. Je suis désolé de vous le dire, c'est électrique, TER, TGV. Donc, vous devriez être super contente de dire qu'il y a quand même 1,8 million de passagers. Ce que je voudrais, c'est que les Béthunois aient la possibilité d'y venir en sécurité. Oui, mais alors, première chose, félicitations, le train, il y a du monde qui le prend. Il y a encore du boulot, mais en tout cas, il y a du monde qui le prend. On a un réseau de transport en commun, Tadao, qui globalement fonctionne pas si mal. On a de bons chiffres de fréquentation. Alors, effectivement, à certains endroits, il n'est pas assez dans certains quartiers. Cateau-Rive, Beaumarais, vous l'avez évoqué, on va y réfléchir, on y réfléchit dans le cadre du plan de mobilité. Et puis pour le reste, vous ne pouvez pas interdire aux gens de venir à la gare s'ils le souhaitent en voiture. On peut inciter à des usages alternatifs, je vous l'ai dit, le bus, le vélo, la trottinette, marcher à pied, etc. Mais nous, on fonctionne sur l'incitatif. C'est la vraie différence entre vous et nous, je vous l'ai dit. C'est que vous, vous êtes pour mettre des barrières, on va mettre des douaniers à la porte du parking. Si tu habites trop près, tu t'en vas, etc. C'est une méthode un peu brutale. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus positif. Et moi, je remarque, on était ce matin avec Monsieur le maire, on faisait le point sur le dispositif Bikeair. Vous savez, les vélos en libre-service, les petits vélos bleus, ça a un succès fou. Les statistiques sont incroyables. On a près de 5000 usagers, 5000 personnes qui ont l'appli. Vous vous rendez compte, 5000 personnes en quelques mois. Et donc ça, c'est des vraies réussites collectives. Et je pense que sur ces réussites-là, vous devriez être très contente parce que le vélo en libre-service à Béthune, ça marche tellement bien qu'ils vont en rajouter encore plusieurs dizaines dans le parc. Et ils sont en train de réfléchir peut-être à s'étendre sur d'autres villes autour de Béthune. Donc petit à petit, vous voyez, le vélo, le bus, l'autopartage, on n'en parle pas assez, le covoiturage, etc., ça se développe. Alors pas assez vite pour vous, mais petit à petit, on y vient. Et je le redis, si la gare fonctionne si bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le train. Et ça, en soi, c'est déjà une grande victoire pour la mobilité. Ça, c'est très bien. Maintenant, je vous ai déjà dit maintes et maintes fois que les deux freins au déplacement à vélo, c'est le manque de sécurité et c'est la peur du vol. Donc, vous agissez sur ces deux freins-là, vous obtenez des résultats. Or, le manque de sécurité, pour l'instant, je trouve que ça ne va pas vite. Et c'est là que... Pourquoi je trouve que ça ne va pas vite? Parce que c'est votre rôle. C'est votre rôle de faire en sorte que les rues soient sécuritaires. Si ce n'est pas votre rôle, alors c'est à personne. Là-dessus, on n'en a pas en commission. On y vient. On a conforté le test de la rue Berthelon, la transforme en définitif. La sécurisation, il y a des abris vélos sécurisés qui ont été déployés à Cateau-Rive et au Mont-Liébeau. Donc c'est un plus aux frais de la ville. Dans le cadre de la loi LOM, la SNCF va déployer sur la gare de Béthune des abris sécurisés pour vélos supplémentaires. C'est dans sa compétence, c'est en train d'être fait. C'est commandé, en tout cas, ça va être fait. Donc petit à petit, c'est la politique des petits pas. On avance petit à petit, mais vous ne pouvez pas interdire la voiture, vous pouvez inciter les gens à faire autre chose, mais aujourd'hui, si on prend le cinéma, il est quasiment indispensable. Je vais donner un petit... Je peux finir? Je vous en prie. Vous dites le cinéma, il n'y a pas que des clients du cinéma, le parking il est ouvert à certaines heures, et je peux vous dire que pour le cinéma, pour l'hôtel, pour les commerces de la gare, ils sont bien contents d'avoir un peu de parking, un peu de stationnement. Je peux comprendre que ça vous gêne, mais c'est mutualisé en fait. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des parkings qui soient à la fois pour ceux qui prennent le train, mais qui puissent être aussi utilisés par ceux qui vont au cinéma, ceux qui peut-être dorment à l'hôtel, etc. Et puis ces parkings, vous avez vu, on les a fait en structure légère. Vous nous avez même demandé un jour pourquoi on vous disait des parkings provisoires. Parce qu'on pense comme vous, peut-être qu'un jour, il y aura moins de voitures et que ces parkings, on pourra les transformer en espaces verts. Qu'on pourra peut-être les transformer pour construire des immeubles de bureaux ou des logements, etc. Donc on fait plutôt du parking léger, qui va peut-être durer 3, 4, 5 ans, 10 ans pour certains, mais qui seront demain transformables en espaces beaucoup plus sympathiques. Mais aujourd'hui, on est sur une phase, vous le savez, de transition des mobilités. Il y a encore beaucoup de voitures, même si elles deviennent un peu plus électriques. Donc il faut qu'on y aille par étapes. Alors expliquez-moi cette décision rétrograde qui a consisté à enlever les panneaux M12 qui veulent dire céder le passage. Si c'est pas un message clair selon lequel on veut pas donner la place au vélo, franchement, je ne connais aucune ville qui fasse marche arrière sur ce plan, mais à Béthune, on a ce privilège. Alors, on va vous répondre, même si on n'est plus dans la 203, mais on
va vous répondre. Vous avez réussi à le placer, c'est bien. Allez, hop. C'est pour une raison très simple, c'est qu'on a eu un certain nombre d'usagers, et pas forcément d'usagers de la route voiture, qui nous ont demandé sur plusieurs carrefours à quel titre étaient installés ces panneaux, que nous avons vérifié en interne, il n'y a pas d'arrêté. Ah ben non, mais je vous le dis, mais excusez-moi, je peux vous le dire. Donc, la décision qui a été prise, parce que comme il n'y a pas d'arrêté, nous mettions en danger, non seulement, la responsabilité pénale, je sais que ça vous échappe un petit peu comment fonctionne ce pays, mais donc nous avons pris soin de tout démonter rapidement, puis nous avons écrit à la DAF d'ailleurs récemment, Anthony a eu copie du courrier, monsieur le maire a signé, on va remettre en place un groupe de travail, on va regarder carrefour par carrefour où c'est opportun de les remettre. Ils seront ensuite remis en place avec les bons arrêtés, mais ce n'est pas des choses qu'on met systématiquement partout dans tous les sens. Alors je sais que ça vous défrise, vous dites non, mais vous savez, l'application de la loi, c'est quelque chose d'important pour nous. On n'était pas Là-dessus, vous êtes pointilleux. Vous faites du zèle. Oui. Surtout, madame. Je vous préviens aussi, il est interdit de se garer sur les trottoirs. Oui. Et c'est monnaie courante dans toutes les rues de Béthune. Et il y a de la verbalisation quand c'est nécessaire. Encore dimanche, on a verbalisé 13 personnes. Je vous le dis à la police municipale, de gens qui étaient stationnés sur des places PMR sans carte, sur des passages piétons ou sur des lignes jaunes. Donc on fait ce travail, mais ça vous échappe peut-être, mais ce travail il est fait avec beaucoup de discernement, mais il est fait. Quand les gens déconnent sur du stationnement, on n'hésite pas à verbaliser quand c'est nécessaire. Sur la 203, je reviens sur le sujet, chacun a eu ses échanges, merci. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, puisque nous sommes dans les... Un rapport de gestion, notamment sur la 204, pardon, qui concerne notre golf. Alors, vous le savez, nous avons mis le golf en délégation de service public pour une durée de 7 ans. Nous arrivons à la fin de la cinquième année en 2021, et c'est donc le rapport du délégataire. Après une période 2020 compliquée avec les fermetures liées à la Covid, 2021 redevient une année à peu près normale et on a un délégataire qui arrive à un nombre d'abonnés record. On n'a jamais eu autant d'abonnés au golf de Béthune depuis qu'il existe, donc ça montre que ça fonctionne bien cette DSP. Avec une école de golf où il y a plus de 50 enfants qui prennent des cours de golf chaque année. Et croyez-moi, il n'y a pas que des enfants de riches, puisque parfois j'entends sur ces bancs des critiques. Je peux vous dire qu'au golf, il y a tous les publics et on a un golf pour tous qui fonctionne bien. Et je le rappelle aussi à l'heure parfois des contraintes budgétaires. Entre ce que nous coûtait le golf en régie et ce qu'il nous coûte aujourd'hui, il y a près de 300 000 euros d'économie par an. Donc il y a plus d'abonnés, plus de services, ça coûte moins de deniers publics, donc c'est gagnant pour tout le monde et cette DSP fonctionne bien. Merci. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'était présent en commission. C'est parfait, merci. La 205. Alors la 205, il y a 5 ans, nous avions lancé une délégation de service public pour se doter d'une fourrière municipale, ce qui permet à la police municipale, quand nécessaire, d'enlever des voitures avec des dépanneuses. On arrive à la fin de ce contrat, en fin d'année, il s'agit de renouveler et de relancer une nouvelle délégation de service public pour une durée de 5 ans, afin de nous doter d'un nouveau fourriériste. Et donc c'est le lancement de la procédure, enfin c'est l'autorisation donnée à monsieur le maire de relancer une nouvelle procédure pour 5 ans supplémentaires. Je le rappelle que cette fourrière, on l'utilise là encore avec beaucoup de parcimonie. C'est une soixantaine de voitures par an qui sont enlevées en fourrière. Pour moitié, ce sont des voitures en voie d'épavisation, c'est-à-dire des gens qui abandonnent leurs véhicules sur le domaine public avec des véhicules qui sont au fil du temps dégradés, des carreaux cassés, parfois des pneus crevés, etc., qui sont abandonnés par les habitants, ou parfois les habitants d'autres villes d'ailleurs, voire parfois de villes assez lointaines sur le domaine public. Donc ça, on en débarrasse la chaussée. Et on fait également parfois des fourrières sur des stationnements très gênants ou sur des personnes qui, malgré la présence d'arrêtés municipaux, laissent leur véhicule, parfois par oubli, parfois de façon délibérée quand il y a des grands événements, etc. Donc on fait assez peu de fourrières à l'année, 60 par an c'est peu, mais c'est quand même un outil nécessaire pour éviter d'avoir des carcasses qui peuvent traîner sur le domaine public. Je rappelle qu'il y a 5 ans, quand on a lancé cette DSP, on avait recensé plus de 86 véhicules épaves dans les rues de Béthune qui ventousaient des places de stationnement et qui posaient problème. Aujourd'hui, il y en a très peu. Et dès qu'on nous fait un signalement, on lance la procédure. On a encore enlevé, il y a une dizaine de jours, 3 véhicules au Montliébeau, avenue de Bruxelles, qui étaient vraiment dans un état, plus de plaques d'immatriculation, plus roulant, qui ont été enlevés par la police municipale au titre de la fourrière. Donc c'est un outil utile pour débarrasser la ville des voitures ventouses, et c'est un outil parfois utile sur certains événements où on a besoin de déplacer des véhicules. Mais on l'utilise avec parcimonie, comme tous les dispositifs qui sont, je le disais tout à l'heure, entre les mains de la police municipale, c'est fait avec beaucoup de parcimonie. Et souvent, avant de faire la fourrière, on appelle la personne via sa carte grise et on lui demande de descendre de chez elle et de bouger son véhicule. Merci. Amel,
Oui, donc on est bien d'accord, on paye encore pour des stationnements, pour des personnes qui laissent leur voiture traîner. Donc c'est l'ensemble des contribuables béthunois. On fait appel à cette mise en fourrière pour des stationnements dangereux. Donc, soi-disant dangereux pour qui, pourquoi, je ne sais pas, parce que ici, on a, bon, je le redis, un nombre important de voitures stationnées qui ne laissent pas passer les PMR, qui ne laissent pas passer nos enfants sur le chemin de l'école. C'est dessiné par la ville, les stationnements, alors qu'il y a un pylône, on voit très bien qu'on ne peut pas passer. Rue Marcelin Berthelot, sur le chemin de l'école. Ça, c'est fait par la ville, d'accord? Et nous, on va payer parce que des gens laissent traîner leur voiture. Et on ne va pas verbaliser non plus ces piétons, ces automobilistes. Rond-point Saint-Éloi, il y a un chantier. Le chantier déborde sur le trottoir, il empêche les piétons de passer, il déborde sur la piste cyclable, mais ça c'est un détail. Ben, pensez-vous qu'on fasse quelque chose alors que c'est dangereux? Non, les piétons demain, ils vont passer, les lycéens, ils vont passer au milieu des voitures. C'est 11 voies à traverser pour faire le tour du rond-point Saint-Éloi. Est-ce que vous vous préoccupez des piétons, des personnes les plus vulnérables? Est-ce que vous faites la Sabine, police là, Sabine Leroy, demande la parole. Vas-y. Rue Marcelin Berthelot, les gens passent, les voitures passent normalement. Les piétons, ils ont, entre la maison et puis la route, ils ont une grande barrière, un gros truc. Donc ils passent vraiment bien là, en toute tranquillité. Mais moi, j'ai déjà vu des vélos passer sur les trottoirs, hein, par contre. Il y a des vélos qui vont sur les trottoirs avec Alors, une remorque. Je vous invite à regarder les traits bleus en bas de la rue Marcelin Berthelot. Ces traits bleus dessinés par la ville. Il y a un pylône, les voitures sont garées le long du pylône et une poussette, un fauteuil roulant, un enfant, un lycéen ne passe pas non plus. Juste, Manuel, pour vous répondre, on ne paye rien sur la fourrière. En fait, vous n'avez pas compris, mais je vous l'ai dit en commission, je vous l'ai dit Je vous explique. Les fourrières, c'est arrêté préfectoral. Quand vous faites votre voiture pendant fourrière, c'est vous qui payez tout. Le seul moment où la ville paye, c'est quand la voiture n'est pas réclamée parce que c'est une épave et qu'on la transforme en cube. À la casse, elle est compactée. Et là, on paye. Donc oui, c'est notre job. Ça coûte un peu d'argent contribuable, quelques milliers d'euros, mais ça nettoie quand même les rues. On ne va pas laisser cette ville avec des épaves un peu partout. Vous serez la première à dire c'est dangereux, ça prend des places, etc. Oui, c'est le principe d'une fourrière. Il y a des gens qui ne jouent pas le jeu et qui, plutôt que de mettre leur voiture à la casse, les abandonnent dans la ville. C'est vrai. Et donc on ramasse, comme on ramasse des encombrants, comme on ramasse parfois des poubelles quand ce n'est pas sorti le bonjour. Ça fait partie du boulot du service public. Donc dites pas que ça coûte cher aux contribuables. C'est 8 à 10 000 euros par an. Donc oui, c'est un coût. Mais je suis désolé. Peut-on se le permettre? Enfin, Madame Elle, quand même, entre 8 et 10 000 euros. Il faut trouver des sources de financement. Oui, Madame Elle, sur une ville qui a un budget de 72 millions d'euros, je pense qu'on peut trouver 8 000 euros pour nettoyer les rues des épaves. Excusez-moi. Madame Elle, pourquoi vous déménagez pas à Venise? Franchement, j'adore, vous me faites voyager. Partez à Venise. J'étais à Venise il n'y a pas longtemps. Non, parce que j'espère, c'est génial. J'espère que ça va pouvoir changer. Vous arrivez sur la place Saint-Marc. Je ne vois pas pourquoi je devrais déménager. Et il n'y a pas une seule voiture. Franchement, partez là-bas. Bon, Madame. Non, mais ça devient épuisant. Je pense que. C'est ce que vous proposez à ceux qui ne sont pas satisfaits. Merci. Madame L, s'il vous plaît, on va revenir aux affaires. Vous avez, à vous toute seule, occupé 40% du temps de ce conseil. Les commissions, c'est pareil à chaque fois. Alors, si on ne vous laisse pas parler, on sera taxé dictateur. Plus on vous laisse digresser, on s'en sort plus, on ne sait plus où on en est. On va revenir aux affaires, si vous voulez bien. Votre expression, on la connaît, on l'a entendue. D'ailleurs, on la lit sur les réseaux, etc. Je vois que vous essayez, en tout cas. Non, c'est très bien, on a entendu. Il y a 4 conseils municipaux par an, c'est le minimum syndical. S'il vous plaît, c'est bien. On vous a entendu, merci. Vous avez été élu comme nous. Ni plus ni moins. Donc, nous. Je trouve que tout le monde est bien silencieux sur certains sujets. Ah oui, bah, c'est bien. Alors, vous avez même jugé vos collègues maintenant. Et si vous allez nous donner la leçon à tout le monde, c'est ça. Ça y est, vous n'avez pas tenu jusqu'à la fin. Ça, vous voyez, nous, on est patients. Je vais vous le dire franchement. Vous les regardez en face, mais eux, ils sont patients parce qu'ils m'envoient des textos en me disant ne la sollicite plus. Voilà.
Vous voulez la réponse? Je l'ai. Et vous n'avez pas pensé que c'est exaspérant pour les 4 conseils municipaux qu'on a par an, c'est-à-dire le minimum requis. Ensuite, on peut terminer, s'il vous plaît. Ouais. On changera le règlement intérieur s'il faut, hein, à un moment donné, parce que sinon, ça peut durer des heures avec vous. Donc voilà. La loi, c'est la loi, madame. Vous êtes élue conseillère municipale, elle a son feuilleton, allez regarder. Non, mais allez-y. Allez-y, regardez votre feuilleton. Madame, elle, je vous en prie. Je vous rappelle alors, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Merci. Voilà, le spectacle, c'est pas ici. C'est la télévision, comme vous l'avez dit. Alors, vous n'attaquez pas les gens. Merci. Nous, on est patients. C'est une bonne raison vous. D'être exaspéré pour aller nous voir son feuilleton. Nous sommes patients. Alors, oui, moi, je le dis, vous voyez. Je le dis, nous sommes patients. Alors, soyez patientes un petit peu aussi. Sur la 205, y a-t-il les oppositions ou des abstentions? Ben, vous ne votez pas contre? Vous êtes contre et vous ne votez pas contre. Enfin, il n'y a aucune cohérence. Donc, 2 heures pour rien. Merci. Ah, enfin, la cohérence. Voilà, on a enfin une opposition. Unanimité moins une voix. Très bien. Alors, nous avons quelques communications à faire. Il restera une dernière délibération. Je donc, laisse la parole à M. le Premier adjoint, donc, dont le chapitre des affaires juridiques, État civil et Assemblée. Alors, je propose de grouper les rapports de la 501, 502, 503. C'est l'ensemble des rapports de la communauté d'agglomération, rapports obligatoires, qui sont communiqués à l'agglo, mais aussi à toutes ces communes. Il y en a un sur le rapport annuel sur la qualité du service public de l'assainissement. Un sur la qualité et le prix du service public de l'eau potable et un sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers. Ça a été présenté, effectivement. Oui, donc ça a été présenté. Vous voulez la parole, madame ? Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. La question, c'est est-ce qu'on peut mettre, on peut préparer le biberon des enfants avec l'eau. Est-ce quels ont été les impacts de la sécheresse sur les ressources en eau potable. C'est pas l'ordre du jour, madame. Je vous répondrai, mais là, ce sont les rapports de 2021. Et donc, arrêtez avec toutes ces façons de faire à chaque fois, d'inquiéter les gens, etc. C'est bon, on a entendu. De toute façon, on fait tout mal. On a bien compris aussi. Tout est dangereux. Vous avez entendu quelque chose quelque part, je ne sais pas exactement, mais Anthony m'a posé la même question, c'est marrant. Je lui ai répondu et on fera venir avec beaucoup de transparence M. Hakim Ekiel, qui est tout simplement le responsable de l'eau potable à l'agglomération, puisque c'est là-bas que ça se traite. Et vous pourrez donc lui poser librement toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis, on a à disposition tous les rapports que vous souhaitez, puisque, comme vous savez, l'ARS contrôle l'eau et régulièrement et heureusement. Donc on pourra vous expliquer ce qui se passe. Et effectivement, il faut s'intéresser à l'eau potable parce que si on ne s'y intéresse pas, on risque d'en manquer dans les années à venir. Voilà. Donc il ne faut pas être devin pour savoir qu'il y a eu 33 jours de canicule cet été, que du coup il y a de l'eau demandée supplémentaire par les agriculteurs notamment et qu'il y a des conséquences effectivement sur la transition écologique, y compris dans le monde économique et agricole. Voilà. C'est ce que vous voulez entendre, grosso modo, l'œuvre-là. Pour le reste, je ne crois pas avoir entendu l'ARS dire qu'il ne fallait pas boire l'eau du robinet. Et pour votre information, je la bois. Et je ne brille pas la nuit. C'est que, pour l'instant, ça va à peu près. Voilà. Donc, attention, ce genre de question qui vient distiller, peut-être. Il y a des normes dans tout ça. Donc, sachez que c'est sérieux et que c'est traité. Voilà. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, sur la 501-02 et la 503... Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Non. C'est donc voté. Merci. Et je cède la parole pour la 504. Merci, Monsieur le Maire. Donc la 504, il s'agit d'avoir donné autorisation à des techniciens juridiques de représenter la ville en justice face à une instance introduite par Monsieur Cédric Malone-Zappa. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des avocats comme c'était un dossier simple, nous avons demandé à nos agents de la ville, dont Madame Ramsky, qui est notre directrice juridique, qui est derrière moi, de représenter la ville en justice. C'est légal, mais il faut que le conseil municipal donne pouvoir à l'agent de représenter la ville, puisqu'il n'est pas avocat. Voilà. Et d'ailleurs, on a déjà le résultat de l'audience. Et en première instance, ça s'est bien passé, puisque la partie adverse a été déboutée. Pour des vieilles histoires de 2010, enfin, je ne sais pas. Des choses compliquées. Sur la 504, des oppositions ou des abstentions? Non. Donc c'est donc voté, je vous remercie.
sur le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2022. Y a-t-il des observations sur le compte-rendu des décisions prises? Non plus. Alors, si le conseil est terminé, je voudrais quand même vous donner deux, trois informations et je voudrais qu'on rende hommage à quelques personnes parties. Ce que j'aurais d'ailleurs dû vous préciser en entame de ce conseil. D'abord, vous dire la position qui est celle de l'Association des maires de France dans ce contexte particulièrement tendu. Je fais écho à quoi ? Je fais écho bien évidemment à la hausse des prix, à la hausse de l'énergie et donc à la nécessaire protection du pouvoir d'achat et indirectement du soutien aussi à la croissance puisque, comme vous le savez, les finances publiques locales des communes sont souvent aussi liées à la capacité d'investissement. Je rappelle qu'en France, les collectivités territoriales représentent 70% de l'investissement public. Nous avons donc Béthune, comme toutes les collectivités et les communes de France, nous avons dû voter un budget primitif. C'était au mois de mars 2022. Nous n'avions pas en tête la pénurie des matériaux. Nous n'avions pas, bien évidemment, anticipé une inflation. Alors, on estime à 4,2, certains 7. En tout cas, l'énergie, c'est plutôt 22% sur ce premier démarrage d'année pour les communes. Évidemment, nous n'avions pas prévu la hausse brutale des taux d'intérêt. Pour information, j'ai en tête un crédit qu'on vient de souscrire à l'agglomération. Sur la même durée, un emprunt en taux fixe à 0,80 est devenu 2,80 en l'espace d'un an. Bon. Donc il y a l'accès au crédit, le surenchérissement du coût du crédit, et puis il y a surtout ce que nous pourrons avoir à investir dans les années à venir. Ce que nous investissons, c'est simple, c'est les recettes de fonctionnement moins nos charges de fonctionnement. Il reste un excédent. C'est ça qu'on va investir, avec éventuellement des subventions, des emprunts qu'on vient rajouter. Ça nous donne l'enveloppe d'investissement à l'année. Toutes les communes de France, en tout cas qui ont une stratégie financière et un programme d'action, ont lissé leurs investissements sur les années à venir. Béthune ne fait pas exception. Au contraire, on est même assez fiers de se dire qu'on s'est doté d'une feuille de route avec un cap à 2032. Et nous avions eu la prudence de dire, quand on a débattu sur ce cap à 2032, que maintenant, charge à nous de regarder année après année le déroulement de ce projet. Et bien évidemment, on ne pensait pas si bien dire, puisque quelques mois après, eh bien, nous avons aujourd'hui besoin d'ajuster le cap de ce programme année après année. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, la prudence de nos finances fait que chaque année, on sort un excédent. C'est logique. En France, si une commune n'a pas de budget équilibré, elle est donc mise sous tutelle, car elle n'a pas le droit d'avoir de budget déséquilibré. Contrairement à l'État, qui a le droit, lui, de présenter des comptes négatifs ou déséquilibrés en tant que tel. Ça veut donc dire que il faut faire attention à la douce musique que nous entendons aujourd'hui, qui est de dire, d'un côté, les collectivités sont assises sur un tas d'or, parce qu'elles ont réalisé 5 milliards l'année dernière d'excédents. Alors, ce sont toutes nos réserves, effectivement, tout échelon confondu. Quand nous faisons, par exemple, l'année dernière, 2 millions d'excédents sur le compte administratif, et que nous réinvestissons donc l'année d'après, bien évidemment, eh bien, nous contribuons à alimenter ces 5 milliards. Alors oui, heureusement que les collectivités territoriales ont fait des réserves, mais ce qui était vrai pour 2021 a été absorbé en 2022. Et donc les réserves que nous avions, pour prendre le cas de Béthune, nous sommes en train de regarder la trajectoire de la commune, j'ai l'occasion de le dire à certains d'entre vous, mais sur quelques mois, en tout cas le mois de l'été, on s'est pris 1 550 000 euros d'augmentation de dépenses, 1 550 000 euros en plus, liés notamment à l'augmentation des salaires des agents, très bien, la hausse du SMIC, très bien, mais sans compensation, puis les charges d'énergie, puis le coût des chantiers. Je l'ai dit, le Montliébeau, le chantier qui a été décalé, qui a démarré, c'est pour zéro service en plus, 980 000 euros de facture en plus. Donc la trajectoire pour nous fin d'année, avec les dépenses qui sont engagées, celles qu'on va mettre de côté, c'est un excédent autour de 600 000 euros, entre 500 et 600 000 euros, pour un peu plus de 2 millions l'année dernière. C'est la raison pour laquelle je remercie le gouvernement et surtout les sénateurs qui se sont battus pour que des amendements puissent passer cet été.
au sujet de l'indemnisation d'une partie de ces dépenses contraintes qui ont été souhaitées par le gouvernement. Et donc, un certain nombre de critères font que des communes vont pouvoir bénéficier d'une indemnité sur une partie de l'augmentation du coût de l'énergie. Ça a été d'ailleurs rappelé par le président de la République là, il y a quelques jours. Ils vont même essayer de monter un peu le curseur. Nous appelions de nos voeux la création d'un bouclier territorial sur le plan d'énergie, comme pour les particuliers. Et puis, une indemnisation sur la moitié de l'augmentation du coût salarial, je vais le dire ainsi, en tout cas, du coût du traitement, comme on dit chez nous, hein, de nos agents. Il y a des conditions pour cela. On verra si on est dans les conditions à la fin de l'année, puisque c'est le compte administratif qui déterminera. Donc potentiellement, nous pourrions nous bénéficier d'un accompagnement ou pas de l'État. Ceci étant dit, nous ne sommes pas donc assis sur un tas d'or. Et à contrario, ce que certains ministres ont dit, et que complètement faux également, j'ai entendu que les collectivités locales, notamment les communes, seraient des collectivités dépensières, qui recrutent à tour de bras et qui finalement ne font pas attention aux dépenses. Je veux juste rappeler que notre rôle à nous, c'est d'avoir ce rôle contracyclique. Le bloc communal, c'est quand tout va bien, non intérêt assuré. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire humblement, mais on l'a dit, dans l'état d'esprit de la ville, mais aussi sur le plan financier. Le CCAS, pensez bien qu'on est sollicité. Et pas que par des gens qui ne travaillent pas. Par aussi des gens qui ne bouclent pas les fins de mois. Nous avons décidé de ne pas. On a pris aussi des augmentations, on n'a pas augmenté le prix de la cantine. Principalement, les gens aujourd'hui paient 1,50€ chez nous. Donc l'alimentaire, on n'a pas touché. On a même rendu gratuite la médiathèque, l'accès médiathèque. On a donc sur un certain nombre de décisions décidé de maintenir ou d'accompagner un peu plus. Mais tout cela, effectivement, Madame Elle le rappelait, à la fin, il y a les plus et les moins. Et donc nous aurons, pour l'année prochaine, à réfléchir sur bon nombre de politiques publiques, y compris sur les manifestations. Où aujourd'hui, même si on est autour de 3€ par visiteur, il y aura à réfléchir sur notre capacité aussi à faire des recettes en face. Et certainement pas empêcher les animations de se dérouler, mais peut-être regarder comment nous pourrions, je prends un exemple tout simple, hein, mais sur Bétine Rétro, on a eu 1700 personnes, je crois. Oui, c'est ça, 1700 campeurs. Oui, parce qu'on a eu, selon la police, 120 000 personnes. Donc, sur les syndicats, je ne sais pas, mais... 120 000, donc on a 1700 campeurs à zéro. Ils ne payent pas. Bon, je me dis pour 3 jours, 10€, ça fait déjà 17 000€. Enfin, donc il y aura quand même des choses à regarder de ce point de vue-là et harmoniser. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il y a une tension sur finalement nos budgets. Oui, on a de l'incertitude parce que même si pour l'instant nous sommes protégés sur une partie de nos coûts d'énergie, on ne sait pas ce que sera l'avenir. On sait aussi qu'il y aura des réflexions qui vont être menées, des débats qui auront lieu au sein du Parlement, enfin des deux chambres. Donc on verra quelles seront les règles auxquelles nous serons assignés dans les mois à venir. Mais pour alimenter le débat, l'Association des maires de France revendique deux ou trois choses. La première, c'est que l'année prochaine, nous aurons un effet base. Vous savez qu'une fiscalité locale, il n'y aura plus l'année prochaine de taxe d'habitation pour personne. Le dernier tiers est payé cette année pour... C'est ceux qui en payent encore, donc l'année prochaine, il n'y a plus de taxe d'habitation. Il reste donc, en termes de fiscalité locale, il reste la taxe foncière. Voilà. Et donc, vous avez donc le taux qui est voté, ici, et vous avez les bases. Les bases, depuis 2018, je crois, il faut que je vérifie dans mes tablettes, mais ça va être ça, les bases suivent naturellement l'inflation, donc chaque année sont calquées par un mécanisme et pas une décision politique. Un mécanisme qui est connu de la part de tous. Nous entendons dire aujourd'hui que le gouvernement redemanderait finalement au Parlement, si oui ou non, on redétricote le mécanisme pour revenir peut-être en arrière. Puisque, tout cela égale par ailleurs, si on laisse suivre l'effet inflation, les bases l'année prochaine, c'est entre plus 6 et plus 7%. Donc même si nous, on ne touche pas les taux, ça va impacter le bas de la feuille. Nous, on dit aujourd'hui les charges augmentant pour tout le monde au même rythme. L'AMF demande ni plus ni moins, et la ville de Béthune n'a pas l'intention d'augmenter ses taux, mais au moins de suivre l'effet base. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. Si ça vaut 100€, et que vous recevez 100€, vous payez le service. Si ça, l'année prochaine, devient 107€, 7% d'augmentation, mais que la base reste à 100€,
vous devez réduire votre service, puisque vous n'avez plus la possibilité de le financer. Donc, l'Association des maires de France ne demande pas d'argent supplémentaire. Elle demande simplement de pouvoir continuer à assurer ce service de proximité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas faire d'économie sur d'autres thématiques. Nous, on est en train d'y regarder. Mais si elle veut pouvoir continuer à investir pour l'avenir, et pas simplement gérer le petit quotidien, la solidarité qui est tellement important aux yeux des habitants aujourd'hui, il faut qu'on puisse garder cet effet base. Surtout que je le rappelle, qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Alors je sais bien qu'il y a plein d'autres dépenses qui viennent se greffer, mais la taxe d'habitation, en moyenne, en plus pour nous à Béthune, c'était 600 ou 700 euros, je crois, de mémoire, en moyenne pour ceux qui la payaient, bien évidemment, parce qu'il y en a qui aimeraient bien, mais qui n'en payaient pas. Deuxième élément, donc vous avez ce qu'on appelle une dotation globale de fonctionnement. L'État prélève des recettes au nom des collectivités et nous les reverse. Sauf que depuis 2010, là aussi, la dotation globale de fonctionnement est désindexée. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, on nous envoie la même somme, nous on demande en euros constants, tenant compte donc de l'inflation également, pour pouvoir donc maintenir tout simplement notre capacité à assurer les services publics au quotidien. Parce que le mauvais jeu qui se passe là actuellement, c'est que nous allons nous retrouver dans une situation où soit on baissera le service public, je parle des communes en général, donc quitte à, et vous l'avez entendu, on commence à fermer des piscines ou autre, à baisser les températures dans les écoles ou autre, donc on réduit d'une manière ou d'une autre le service public, après chacun choisira où est-ce qu'il réduit, soit on sera contraint, nous les élus locaux, nous, demain, peut-être à nous positionner pour augmenter la fiscalité locale. Et donc, dans les deux cas, on est piégé parce que nous n'avons jamais dit que nous allions baisser le service et on n'a jamais écrit dans nos programmes, qui que nous soyons ici autour de la table, que nous allions augmenter les impôts. J'ajoute à cela que l'État, en parallèle, a un projet, c'est une obsession d'ailleurs, ça n'est que mon jugement personnel, de supprimer les impôts de production pour les entreprises. C'est plutôt un libéral qui en parle. Donc, notamment, vous avez ce qu'on appelle la CVAE, qui est un impôt, une contribution qui est demandée aux entreprises. Et on nous explique qu'il faut enlever cette taxe aux entreprises aujourd'hui. Mais sans taxe, avec un lien territorial, plus d'intérêt pour nous d'investir. Je m'explique. Alors vous allez me dire, ça ne touche pas directement la commune, ça touche l'intercommunalité. Oui, on parle du développement économique. Mais si demain, il n'y a aucun intérêt pour l'agglomération d'investir pour faire venir des entreprises, parce qu'elle n'a pas de retour de l'impôt sur son investissement, eh bien on ne s'occupera plus du domaine. C'est terrifiant pour un territoire. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est le maintien à la CVAE, parce que l'argent qui est aussi collecté, puisque c'est choisi par l'intercommunalité, qui tombe dans la caisse de l'intercommunalité, ça sert aussi par des fonds de soutien, on redistribue vers les communes. Donc, voilà le lien aussi avec la collectivité. Vous voyez, tout ça, en deux minutes à la télévision, vous ne comprenez pas ce qui se passe. On dit « Ah oui, c'est super ». Et moi, je vais être un peu plus loin, je vais encore un peu plus loin que ça, c'est que si on laisse faire les choses ainsi, le Parlement décidera, hein, c'est 80 milliards en deux mandats de prélèvements obligatoires en moins, de réduction de prélèvements obligatoires dans ce pays. Alors, les plus financiers taperont sur le banc, c'est génial. Moi, j'alerte juste sur une chose, c'est que les prélèvements obligatoires, ça sert aussi à financer les services publics. Et au moment où les habitants nous ont dénoncé ou parlé d'un certain nombre de fractures, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit sociale ou autre, je pense que s'il y a bien quelque chose qui est central à notre pays, c'est les services publics. Regardez ce qui se passe en matière de santé. Aujourd'hui, on cherche des médecins. Il y en a qui ont renoncé aux soins. Et je peux vous faire la liste comme ça, qui est nombreuse, qui est très, très longue, pardon, cette liste. Des médecins. Pourquoi les communes doivent recruter des médecins aujourd'hui ? On doit recruter des policiers. On doit recruter bientôt des formateurs à l'agglomération. Mais donc, qui fait quoi, en fait, dans ce pays ? Qui fait quoi ? C'est donc un problème, à la base, d'articulation du service public. Donc, nous, on est tout à fait d'accord pour dire que la commune n'a pas à tout faire. Aujourd'hui, par la force des choses, elle se substitue parfois sous la pression des habitants qui disent « Ouais, mais ça, nous, on en a besoin, etc. » Et au final, on se retrouve dans une forme d'impasse, parce que si on n'a plus les moyens de faire, eh bien, on nous dira « Vous ne tenez pas vos engagements et vous n'êtes plus là, donc on vous sortira. » Et surtout qu'on décourage bon nombre de nos citoyens qui se disent, finalement, après la fin du fascisme, qui s'est terminé dans l'horreur de la guerre, il y a eu un combat idéologique en Europe. Avec en 89, la tombée du mur de Berlin, on a dit, ça y est, la vision communiste
elle ne viendra pas. Mais l'économie de marché aujourd'hui, elle ne tient plus les promesses qu'elle avait. La croissance qu'elle avait promis, on ne l'a plus forcément. Et finalement, les gens ont décroché, peut-être pas de la vision d'économie de marché, mais ils ont décroché de la mondialisation. Ils ont compris que finalement, ce n'était peut-être pas la réponse à ce monde qu'on avait vendu, qui est devenir qu'un, où tout le monde allait se partager ce qu'il avait, et où finalement on allait développer un monde plus harmonieux et plus respectueux des droits humains, etc. C'est dans ce monde-là qu'on vit actuellement. Et c'est ce qui se passe à droite à gauche. La montée des extrémismes, la montée aujourd'hui du religieux, qui revient en force, crée des divisions, et crée aujourd'hui un monde complètement instable, et une Europe dont on oublie que nous avons encore la chance qu'elle nous protège de la guerre depuis plus de 70 ans. Alors, est-ce que l'Europe politique a été faite ? Non. L'Europe économique, oui. Et vous voyez bien, c'est à la base, c'était déjà pour des problèmes d'économie et de partage des ressources qu'on a voulu créer cette coopération. C'est ce que nous, on essaie de demander, nous les maires, à l'échelle de la France, c'est de garder notre spécificité locale, d'avoir cette capacité à agir au plus proche des habitants. On ne demande pas à nous substituer à l'État ou à d'autres collectivités, mais que chacun sache ce qu'il a à faire. C'est ça le contrat de confiance, enfin, ça rappelle une mauvaise pub ou une bonne pub, je ne sais pas. En tout cas, le contrat qu'on doit avoir avec l'État. Et c'est pour cela que les revendications que posent les élus locaux, les maires, qui sont de différentes, on va dire, origines politiques, pourquoi sont-ils tous unanimes là-dessus ? Parce que le conseil est le même, pour chacun. Chacun d'entre nous, quand on est élu local, parce que le maire, c'est, je parle des élus locaux. Le maire, c'est rien, c'est toute l'équipe, tout, vous qui rencontrez au quotidien les gens. Donc là, on a arc-bouté là-dessus, et on fera passer un nombre de messages pour donc défendre ces axes-là, qui sont des axes simples. Vous savez, on a le panier du maire qui est porté par la Banque Postale. C'est un panier qui regarde un peu l'évolution des prix pour les mairies. 11%. Voilà, on peut pleurer, on peut dire c'est pas normal, on demande des sous. Donc nous, on fera les efforts nécessaires, mais qu'on ne nous accélère pas dans cette chute-là. Et accélérer la chute, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement une petite mesure qui s'appelle la contribution au redressement des comptes publics, où le gouvernement vous dit, il y a quelques années, je ne vous saoule pas avec ça, on a fait un pacte de Cahors, on devait maîtriser nos dépenses, nous, les collectivités locales. Donc on dit non, mais il n'y aura plus de pacte de Cahors, on oublie ça. Mais par contre, chaque année, on va vous demander de dépenser, vos augmentations de charges doivent se faire à inflation maximum moins 0,5. Donc si l'inflation est de 7% l'année prochaine, nos charges de fonctionnement ne doivent pas dépasser une augmentation de 6,5. Au-delà, on va être puni. Les préfets diront qui sont les bons élèves et les mauvais élèves, et dans les attributions, notamment de crédit, il y aura des gens qui seront déçus. Parce que, par exemple, sur le fonds vert qui a été annoncé, il faut savoir qu'il y aura une délégation de crise qui sera donnée au préfet, il n'y a plus d'appel à projet, et donc, ça fera partie des critères d'appréciation entre le projet et la capacité à bien gérer. Ça, ce 0,5 par an, c'est sur la durée du mandat 15 milliards. 15 milliards en moins de services publics. Oui, donc quand on commence à creuser un peu ces affaires-là, on ne peut pas dire que tout est noir, mais on ne peut pas non plus laisser notre échelon se déliter en tant que tel. Il faut réaffirmer la commune comme porte d'entrée du service public et comme premier acteur vis-à-vis de nos habitants. Et ils ne s'y trompent pas. C'est vers nous qu'ils viennent, les élus locaux. Nous sommes, les élus locaux, à travers le maire, la personnalité politique, entre guillemets, qui dépasse les 50% du seuil de confiance. Mais ça ne va plus durer longtemps. Parce qu'à force de dire non, on ne peut plus, même à cette échelle-là, nous risquons de fragiliser la démocratie. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura, lors du Salon des maires à Paris, je ne sais pas si on peut appeler ça une revendication, en tout cas une position commune qui sera partagée avec nos parlementaires, à eux de la suivre ou pas. Mais je vous invite d'ores et déjà, et les uns les autres, si vous le pouvez, j'ai une note qui pourra vous être remise, mais à défendre cet aspect-là, et puis à expliquer en fait ce qui se passe. Nous sommes ni assis sur un tas d'or, ni des gens qui dépensons sans compter pour nous faire plaisir. Voilà la raison pour laquelle, l'année prochaine, le budget qu'on proposera, qui va commencer à être en construction, il devra tenir compte de nos engagements déjà pris. Quand vous voyez la rénovation urbaine, etc., on a déjà un certain nombre de dépenses obligatoires. Et c'est là où on tremble un peu parce qu'on se dit « Waouh !» Quand ces dépenses obligatoires dépassent déjà votre capacité à faire, on se dit « Comment on va gérer ça ?»
Donc, mais surtout, on se concentrera sur le quotidien. Voilà, le quotidien, c'est la solidarité, c'est les fins de mois, évidemment. Et puis, c'est l'éducation, c'est la sécurité. Mais tous ces sujets-là, pas dans une logique de substitution à l'État, mais de collaboration, de coopération avec l'État. Il faut qu'on les rappelle à leurs propres obligations. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de braquage de banque à Béthune qu'il ne faut pas mettre de renfort policier sur le territoire du Béthunois. Voilà, c'est un peu les messages qu'on essaiera de faire passer collectivement. Et c'est là-dessus que je voulais vous alerter. Le deuxième point, et vous pourrez bien sûr répondre après, c'est que je voudrais... je vais peut-être vous laisser répondre parce que je voudrais qu'on rende un hommage. Et c'est, voilà, je propose qu'on fasse le débat avant, si vous le souhaitez, avant qu'on rende l'hommage, parce que débattre après l'hommage, ce ne sera pas correct. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ces éléments ? Monsieur le maire, oui, je suis... D'après mes souvenirs, lors des derniers conseils municipaux, justement, lorsqu'on a parlé de budget, vous avez évoqué l'excédent en 2021, vous l'avez dit aussi il y a un instant, de 2,83 millions. Et lors de la présentation aussi, je me souviens, il y avait aussi 5 millions d'euros aussi que vous avez débloqué au niveau de la trésorerie. Alors donc, il faut rajouter certainement cette somme, en fait, par rapport à l'excédent. Alors, la trésorerie, c'est pas du tout... Les flux de trésorerie, ça n'a rien à voir avec, finalement, le compte. Le compte arrêté, c'est hors mouvement de trésorerie. Vous pouvez, par exemple, avoir un compte annuel qui finit avec 1 million d'excédent et avoir 3 millions de trésorerie s'il y a une facture de 2 millions que vous n'avez pas payé, par exemple. Elle est encore dans votre trésorerie, mais en réalité, elle n'est plus à vous. C'est dans l'attente de régler. Donc, il faut vraiment faire attention au compte administratif, qui est le solde à un moment donné de nos opérations, et ce qui fonctionne en trésorerie. La trésorerie, on essaie toujours d'avoir au moins 2 mois d'avance de salaire, grosso modo. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais on pourra vous le préciser. Hein. Et je rappelle aussi que dans l'appel qu'on pourrait faire auprès de nos parlementaires et les uns les autres, il y a un sujet, c'est celui des contrats aidés. En 2017, première décision du président de la République, c'est on va supprimer les contrats aidés, ça s'appelait les CUI à l'époque, parce que les communes utilisent finalement cette main-d'œuvre bon marché, c'est pas bien, etc. Bon. Je me souviens qu'on avait fait grève quand même, quelques maires, et on a obtenu le maintien des parcours emploi compétences, d'autres contrats aidés qu'on appelle les PEC. Je le redis avec solennité, les contrats aidés ne sont pas la main-d'œuvre bon marché pour les collectivités. Alors on nous dit qu'il n'y a plus de budget, on ne peut plus vous aider parce que l'État en paye une grande partie. Mais vous comprenez, en plus, le marché de l'emploi est tellement tendu que les gens n'ont qu'à aller travailler plutôt que d'être pris dans les collectivités avec des contrats aidés. Oui, à ceci près que les gens que nous recrutons sont des gens qui sortent parfois de perte d'accidents de vie. Ils ne sont pas souvent ceux que nous accueillons et que nous formons parce qu'il y a une obligation de formation. Ils ne sont pas en capacité de reprendre un emploi tout de suite dans une entreprise. C'est une vue de l'esprit. On travaille avec Pôle emploi sur les profils, c'est même eux qui nous les choisissent. Donc ils le savent très bien. Donc à un moment donné, je trouve que c'est un peu dur d'entendre cela et de plus mettre en place ces contrats aidés. C'est encore moins faciliter l'insertion professionnelle d'une certaine partie de la population qui, du coup, se retrouve en écart. Et c'est ce que vous entendez. Il y a des chômeurs d'un côté et puis il y a des gens qui ne trouvent pas d'employés de l'autre. Il y a un moment donné, il y a ce besoin de formation structurelle, mais aussi conjoncturelle. Voilà. Donc, sur les contrats aidés, là aussi, s'il vous plaît, ne lâchez pas, parce que c'est grave ce qui se dit. Nous avons 64 contrats qui étaient chez nous. 69. C'est un contrat, c'est un an renouvelable, un an. Tous ceux à qui on a dit, terminé, t'es pas renouvelé, qui n'ont pas fini leur formation, je peux vous dire que humainement, c'est violent, quoi. Après, c'est vrai qu'on est parfois un peu excité avec tout ça, mais c'est pour ces raisons-là aussi. Quoi. Voilà, donc je voulais vous le redire. C'est bon ? Bon, j'espère pas vous avoir trop assommé. Je voudrais donc qu'on puisse, comme on l'avait indiqué, donc rendre un hommage. Alors, bien sûr, ça a été rappelé, nous avons Isabelle qui était souffrante, et Isabelle Rubens qui a été... c'était mercredi dernier, je crois, c'est ça ? De mémoire, mercredi, j'étais absent, donc j'ai envoyé bien sûr une fleur. Donc on pense bien à elle. Nous avons également des retraités ou anciens salariés. Je pense à Georges Fauconpré, qui a été donc, chez nous de nombreuses années, qui a été une grande mémoire,
de la ville en tant que telle. Je pense aussi à la maman et à la, donc de Patrice Barre, Janine, qui est également la belle-sœur donc, de Caroline de Sainte-Marie-Ville, qui est, elle, agent de la vie associative. Et puis, également, avoir une pensée pour Claire Fichot, bureau d'études, qui a perdu sa grand-mère, Thérèse Fichot. Il y a aussi la maman, donc Morissette, c'est la maman de Jacques Courty, qui travaille en tant qu'animateur jeunesse à l'année. Et puis Michel Lévy, qui est agent au service technique également et qui a perdu un bébé dans des conditions dramatiques, enfin, voilà, à un moment de la naissance. Voilà, donc pour eux, par respect pour leur famille et puis pour la mémoire de tous ces gens partis, je vous propose donc, comme ça a été fait tout à l'heure, d'avoir un moment de pensée.